Bonsoir à tous. Merci pour nos invités, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Ce soir sur le plateau, vous allez faire des retrouvailles. Nos invités, vous les connaissez tous, mais vous ne les avez pas vus depuis longtemps. Ils nous ont marqués, ils nous ont manqués. Vous êtes nombreux à nous demander ce qu'ils sont devenus. Nous allons vous le révéler ce soir. Alors, ce sont des gens qui ont grandi avec nous. Nous avons grandi avec eux. Ils ont été nos héros, nos idoles. Mais les aléas de la célébrité les ont emmenés sur d'autres routes. Certains ont souhaité tourner la page du star system. D'autres ont été victimes du turnover, du show business, ce monde impitoyable. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont retombés dans l'anonymat et ont repris ce qu'on appelle une vie normale. Nous accueillons ce soir des héros de sitcom, des chanteurs de tubes à succès, mais aussi des célébrités du petit écran qu'on n'a pas oubliées. Que sont devenus ceux qu'on appelle les stars d'un jour, même si leur succès a duré parfois 10 ou 20 ans? À quoi ressemble-t-elle 10 ou 20 ans plus tard? Que se passe-t-il quand le succès n'est plus au rendez-vous? Peut-on reprendre une vie normale quand on a été sous les feux de la rampe? C'est toute la question de ce soir. Je vous demande d'accueillir nos invités. On va commencer avec Rochelle et Patrick, que vous reconnaissez peut-être, alias Johanna et Nicolas, Hélène et les garçons, Mallory Nataf, Lola dans Le Miel et les Abeilles, Gérald de G-Squad. Ils sont également parmi nous Steven, le regard de Brest du groupe Alliage, José et Sébastien, d'autres garçons d'Hélène, Véronica Loubry qu'on ne présente plus, Gérard Blanc, ces tubes de Martin Circus et puis une autre histoire. Justine et Jérôme, le couple mythique de premier baiser, d'accord. Et Désirless, l'interprète de Voyage Voyage. Je vous demande également d'accueillir une autre héroïne de premier baiser. Vous vous souvenez sans doute de Magali qui est ici. Sheila, qui était la meilleure amie de Sophie Marceau dans La Boum. Sophie Talman, Miss France 98. Et notre ami Corbier. Ça fait plaisir. Voici tout de suite notre sommaire en images. Ah, il est canon. J'attends avec impatience les prototypes des bodies. Bonne journée, bye. Faut partir avant qu'on vous mette à la porte, quoi. Les chiens, on les appelle les chiens, les chats, on les appelle les chats, et les nazes, on peut les appeler que les nazes. Je suis redingue de toi, redingue car tu vois, aucune fille me fait ça comme ça. Aucune fille me fait ça comme ça. Les boys band et les garçons qui sont entrés dans ce milieu-là, un jour ou l'autre, ils ont touché à une drogue ou quoi que ce soit, étaient tombés là-dedans, et à ce moment-là, c'était un autre Gérald. Attends, Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Et lorsque les ascédiques se sont arrêtés, j'ai très vite compris que j'étais en train de me clochardiser parce que j'avais pas de projet, j'avais pas de boulot et j'avais plus de revenus. Vous trouvez pas que j'aime mieux jouer que d'habitude là? Mais tu sais bien, José, que tu joues toujours merveilleusement bien. T'as fait cette série pendant des années. Tout ce qu'on te propose maintenant, bah c'est de la figure. Donc, ça fout un peu les boules. Franchement, moi, je serais pas amoureux d'Hélène. Je t'aurais bien accompagné à la pizzeria, manger un petit truc, tu vois. Est-ce que ça t'a aidé, toi, la notoriété? Bah, disons qu'on n'a pas un crédit énorme artistiquement à cause de nos rôles. C'est pas ce soir, c'est pas la sensation que j'ai, c'est la sensation qu'on m'a donnée. Les gens, ils zappent, ils jettent. C'est bien qu'ils zappent et qu'ils jettent. Moi, je préfère m'extraire avant d'être zappé et d'être jeté. Voici des applaudissements pour Dominique Besnéard, que je demande d'accueillir, que vous connaissez, qui est le plus célèbre directeur de casting de France, qui a lancé des dizaines de stars, autant qu'il y en ait en tout cas, dont Sophie Marceau, entre autres, et bien d'autres. Dominique, vous êtes aussi, bonsoir, vous êtes aussi des deux côtés de la caméra, puisque vous êtes aussi acteur. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission comme celle-ci? D'éclaircir un peu l'opinion publique sur ce métier qui, quelquefois, paraît facile, et en disant, voilà, et je pense que c'est un métier très difficile. Surtout, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui viennent du sitcom, de la chanson, que les acteurs dans les films, parce qu'au cinéma, quand on a la chance de démarrer fort au cinéma
On sent que la carrière existe dans le sitcom ou même dans la chanson. On peut faire un tube et pas faire de carrière. Et notre époque, elle est complètement sur le tube et pas sur la carrière. Vous occupiez déjà de Sophie Marceau à l'époque de La Boum ? Non, pas du tout. Je me suis... Ensuite, vous ne connaissiez pas donc Sheila, qui était la meilleure amie si de... Si, je connais Sheila. J'ai rencontré quand je faisais du casting et après en étant agent. Et là, franchement, elle, c'est vraiment pas très juste parce que c'est une très bonne actrice. Qui après aurait pu faire une, qui a du reste fait une carrière d'actrice un peu, mais peut-être pas ce qu'elle méritait. Enfin, moi, c'est mon avis. Vous n'avez pas changé physiquement, je vous ai reconnu tout de suite en tout cas. 25 ans ont passé, mais je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire. Ça fait toujours plaisir. On commence cette émission avec la bande d'Hélène et les garçons, avec les garçons sans Hélène qui est à l'étranger. En tout cas, une bonne partie des garçons sont avec nous ce soir, à commencer par le premier en titre, Nicolas. Et quand on vous présente encore comme le Nicolas, le petit ami d'Hélène, ça vous fait quoi ? Bah, rien du tout. Plaisir ou... En plus, c'était mon prénom dans la série, donc ça tombe bien. Parce qu'on m'appellerait Jean-Michel, évidemment, ça m'emmène. Ça m'emmène. D'accord, donc on voit qui vous êtes. Puis en plus, j'avais le choix entre José et Nicolas, donc finalement, je suis bien tombé. Mais c'est la règle du jeu, forcément. Pendant des années, vous êtes chez les gens, sous ce prénom. On vous connaît que... Moi, je ne connais pas, par exemple, le nom des acteurs de Kids of Friends, par exemple. Leur vrai nom, je ne le connais pas. Vous connaissez leur prénom de la série, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal. Et vous, on vous appelle encore Johanna ? Oui, quand ça m'arrive, oui. Et ça vous fait plaisir ? Mais ça m'arrive aussi, parfois, mon vrai prénom. Rochelle. Ça m'a fait drôle les premières fois, en fait. Rochelle, comme la ville. Alors, donc, il y a José et Sébastien, le fameux José dont vous parliez. Personne n'a oublié José et Sébastien, donc les compères de Nicolas dans la série qui sont avec nous. Parfois, si je me trompe un peu entre les noms de scène, je suis comme tout le monde, je vais peut-être faire des confusions, je demande pardon par avance. En plus, vous avez changé de coupe de cheveux. Lequel de vous deux avait les cheveux longs dans la série ? C'est vous, moi. José. C'est moi. C'est vous. Comment vous êtes devenu le fiancé d'Hélène dans la série ? Vous avez répondu à une annonce, vous avez... J'étais au Cours Florent. C'était une annonce, il y a un tableau au Cours Florent avec des castings, des annonces. Et puis donc c'était assez alléchant pour un gamin de 20 ans, il marquait 52 épisodes, 200 000 balles. Enfin, en gros c'était ça, c'était bien placardé comme ça. Et voilà, je rentrais de boîte de nuit. Et vous enchaînez le casting tout directement le matin, et je rentrais par la plaine Saint-Denis, donc j'ai passé devant les studios et mes amis m'ont chaudement recommandé, de, malgré mon état, d'aller directement de boîte au casting. D'aller directement au casting, et finalement j'y suis allé sans appréhension et ça a fonctionné. Donc ils m'ont quand même rappelé le lendemain en me demandant de devenir un peu plus présentable, et finalement ah oui. ça a fonctionné. Lavez-vous les cheveux, rasez-vous un petit peu. Surtout. Et très vite, on vous a dit que vous étiez pris ? Oui, très très vite, parce qu'en fait je crois que le rôle était malheureusement déjà pris, et finalement je crois que j'ai un peu volé à la place de quelqu'un. Ils ne devaient pas être très convaincus, ils ont laissé courir le... Ils cherchaient encore. Voilà, hein. Donc, mais le tournage était imminent, donc j'ai une réponse assez vite. Ouais. Vous aviez quel âge ? 20 ans. 20 ans tout rond. Rochelle, vous étiez mannequin, importé du Texas, dans une grande agence parisienne. Vous défiliez pour les plus grands couturiers. Vous aviez presque 30 ans au début de la série. On vous a demandé de jouer le rôle d'une jeune fille de 20 ans. Ouais. Comment vous l'avez pris ? Écoutez, il fallait tous les matins que je perde 10 ans. Donc c'était un challenge. C'était long de composition. Donc. Ouais. Vous étiez un peu plus âgé, donc un peu plus mature que les autres. Est-ce que vous aviez du recul par rapport à l'impact que pouvait avoir la sitcom sur le public ? Oui, je pense, oui. Je pense que j'avais plus de recul. Vous pensez que ça allait être énorme ? Ah, oui. Non, je ne pensais pas. Ça, j'étais quand même étonnée de la réaction du gens. Ouais, mais parler, j'avais plus de recul par rapport à ce que ça voulait dire vraiment. C'est-à-dire que je savais pas, je savais très bien que c'était pas maintenant, les gens nous reconnaissent, donc ça va être facile. Ça, je savais très bien, j'aurais très bien à cibler que c'était télévision, daytime, ça voulait rien dire en dehors pendant la journée, de ça. Donc dehors de ce public de jeunes et tout ça, je savais que ça n'avait pas le même impact. Vous allez peut-être être prisonnière d'un rôle Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, effectivement. Après, c'était drôle, parce que quand je voulais prendre des rôles d'une femme, on m'avait dit, non, mais elle est trop jeune. Donc, après, il fallait Flatteur. Oui. C'est flatteur un peu aussi. Oui, mais bon, pas quand on veut travailler et faire d'autres choses. Donc la sitcom a marché pendant des années, jusqu'à 6 millions de spectateurs quotidiens, c'est colossal. Plus personne rassemble autant de public, même sur la plus grande chaîne d'Europe. 15 ans après, je vous propose donc de retrouver la troupe de la Cafette. Alors vous avez tous pris des chemins différents, on va en parler avec les uns et les autres qui sont aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons réuni pour la première fois la télé depuis longtemps. Hélène et les garçons, c'était donc 5 à 6 millions de spectateurs tous les soirs. Attention, donc émotion forte pour les nostalgiques, c'est un reportage d'Emma Kala et de Guillaume Barthélémy. «
Souvenez-vous, c'était en 1992. Hélène et les garçons déboulaient à la télévision. Véritable phénomène de société, Hélène, Nicolas, José et les autres ont squatté nos écrans pendant plus de 10 ans. Extrait. J'allais une fois de plus tout pardonner à José, je pensais qu'il avait changé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle est exactement comme avant. Tu vois, ça au moins c'est positif. Tout ça, c'est des périodes. Alors en ce moment, tu traverses une mauvaise période, mais ça va s'arranger, tu verras. Eh ben oui, c'est vrai. Moi, si tu veux, je t'aide à la traverser la mauvaise période. Bon, tu crois pas que t'en as assez fait, là hein? Bon, bon, d'accord, je me tais. Ben voilà, la bonne période qui commence. À l'époque, le programme fait couler beaucoup d'encre, gentillet, convenu, lisse, voire niais. Les critiques pleuvent. Près de 15 ans plus tard, nous avons retrouvé une partie de la bande et voyez-vous-même, ils n'ont pas pris une seule ride. Regardez bien, Philippe Vasseur incarnait José dans la série. Lui, c'est Patrick Puitbat, alias Nicolas, le fiancé d'Hélène. Et voici Laure Guibert qui jouait Bénédicte. Et enfin, Rochelle Redfield dans le rôle de Johanna. Le premier merde, c'est moi qui l'ai dit. Puis je devais dire zut ou... Oh flûte. Un truc comme ça, et Azoulay était à côté de moi, je dis... Je peux, tu dis pas ça quand ta fiancée est en train de mourir, je veux dire, il me fait oui, bah écoute, tu fais ce que tu veux, donc c'était le merde naturel, puis tu et bouges. Et après, ça a été la déferlante. Et après, non, mais après, c'est devenu naturel, c'est ça qui était bien, c'était un peu le... Allez, on parle normalement. Et les textes, si vous voulez, clean, et super aseptisés pour un public jeune, non vieux, enfin... C'était... Non, il n'y avait jamais de terme de violence, les... Voilà, donc c'était hyper clean. Ça, je crois qu'on le sait, ça. Malgré ses dialogues approximatifs et ses scénarios à l'eau de rose, cette sitcom à la française devient très vite un véritable événement qui bat des records d'audience. Tous les jours, 4 à 6 millions de personnes sont rivées devant leur poste. Ça a été soudain, en même temps, ça a été un truc... qui a été assez brutal, hein. C'était un succès brutal, on n'était pas toujours préparé à ça. Moi, carrément pas. Pas tous. Non, donc, c'était très dur, d'un seul coup, on s'est mis à gagner de l'argent, beaucoup de filles devant la porte. C'était un vrai cauchemar, je savais tout, j'avais la tête, moi. Qu'est-ce que je disais? Mais en 2003, l'aventure s'arrête. Pour les comédiens, le retour à la réalité est difficile. José est redevenu Philippe Vasseur, il a dû revenir à son premier métier, la décoration. En fait, les seules propositions que j'ai eues après les vacances de l'amour, c'était si j'envoyais des CV avec des photos à des boîtes de prod. Ce qui était vraiment bizarre, c'est que mon CV de comédien, donc quand même un petit peu, partait directement à la figuration. Genre, t'as fait cette série pendant des années. Tout ce qu'on te propose maintenant, bah c'est de la figure. Donc Ça fout un peu les boules. Ouais. John Thompson, je vous arrête pour le braquage et le meurtre de Ray Liuzza Jr. Enlève Liuzza, regarde Junior. Ce sourire ravageur vous est familier? C'est normal, Sébastien Courriveau a aussi fait partie de l'aventure Hélène et les garçons pendant 3 ans. Toujours comédien, il prête aujourd'hui sa voix pour des documentaires. Près de 10 ans après son départ de la série, il a encore des fans. Allez-y. La première fois que Sébastien est arrivé, j'ai vu son contrat et j'ai vu Sébastien Courriveau et là j'ai fait, mais tout de suite, ça, c'était direct. Je me suis dit, mais Sébastien Courriveau, d'aller des garçons, quoi, c'était ça. Et je me suis dit, bon bah génial, je vais rencontrer quelqu'un de super, quelqu'un de connu, quelqu'un qui m'a vraiment, je vais, entre parenthèses, fait un peu rêver, quoi, parce que j'étais ado, j'avais 13-14 ans, donc c'était des histoires, nous, les histoires qu'avait Hélène et les garçons, c'était histoire d'adolescents, vraiment. On pense pas forcément que tu vas penser, tiens, Sébastien, de Hélène et les garçons, ça s'éloigne assez pourtant, vite, en fait. Et pourtant... Ça, c'est le truc peut-être un peu compliqué sur tant d'épisodes tournés, de pas se perdre de vue soi, quoi, de bien garder en tête qu'on est comédien, qu'on fait son métier de comédien avant tout. Je veux savoir justement si c'est pour ça, le truc d'être catalogué dans une sitcom et tout ça, si ça a influencé ton choix justement de faire des voix finalement, juste des voix. Au départ, à partir du moment où il fallait un petit peu se faire oublier, comme on me le conseillait, forcément les voix c'était idéal parce que, bah oui, voilà, on ne voyait pas. Mais faut faire attention à ne pas se faire trop oublier non plus, parce qu'à vouloir se faire oublier, finalement, on peut totalement disparaître. Fatigué d'attendre qu'on lui propose des rôles, Patrick Puitbat essaie aujourd'hui d'écrire des scénarios. Il travaille avec son ancien rival par sitcom interposé, Igor Butler, l'un des héros de Seconde B, la série concurrente. Est-ce que ça t'a aidé, toi, la notoriété? Pas dans ce qu'on fait actuellement, non.
Non. Moi, j'ai pas l'impression non plus. Non, parce que Ça nous a mis à frein quand même, à un certain niveau, d'être catalogué acteur de série. Disons qu'on n'est pas. On n'a pas un crédit énorme artistiquement à cause de nos rôles. Ouais. Moi, c'est pas la sensation que j'ai, c'est la sensation qu'on m'a donnée. Tu travailles aujourd'hui. Non, moi, j'ai plus le droit. T'es la seule qui tourne. Qui ? Moi ? Bah oui. Ça dépend du moment. Parfois, je tourne. Moi, je tourne deux fois par an. T'as tourné depuis quand, toi ? La dernière fois ? La dernière fois, c'était. Moi, c'était en 2004. Mais vous avez des enfants, vous avez aussi 2004. Non, on pourrait faire. Ah, c'est vrai, en décembre, j'ai fait un truc en décembre. C'est pas incompatible. J'ai fait un truc en décembre. Moi, je fais l'américain de service. Quand on a besoin d'une étrangère. On a les mêmes difficultés que n'importe quel comédien. Puis, oui, voilà. Et plus un parcours. Oula. Plus un parcours, En même temps, on a beaucoup. Un peu original, donc forcément, on subit aussi quelque peu les conséquences, mais le temps jouera pour nous. Il joue pour nous déjà. C'est vachement sympa de revoir tous ensemble en tout cas. Je suis trop motivé. Bien, je me trouve super idée. Super quoi ? Super idée. Pas faire la cocotte comme ça. Non, mais bon, c'est. C'est vos caméras, elles sont pourries. Elles sont pourries, vos caméras. Vous êtes tous restés copains comme ça ? Non, mais c'est une image qui est très agréable à voir pour tous ceux qui vous ont apprécié. Vous soyez restés groupés, à quoi ça tient ? Parce que normalement, il y a toujours un peu de rivalité, ça peut tourner mal. Le tournage est freiné. Le temps du sitcom, c'était un épisode en boîte par jour, 26 minutes à mettre en boîte par jour, c'est 12 à 13 heures de plateau. De tournage ? Ça, pendant 5 ans. Ensuite, départ aux Antilles en 96, ça a duré 7 ans, 8 ans. Et là, donc, tous loin de nos domiciles, nos familles, etc. On était donc dans un hôtel. Et donc finalement, on vivait ensemble. Mais soit ça explose parce qu'on ne supporte ensemble, plus. On vivait ensemble. Ouais. Et ça pendant de avril 92 à mars 2004. Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour entre vous et tout ça ou... À force de vivre ensemble. C'est pas le thème de l'émission. Non, c'est pas le thème de l'émission. Attention. Ça, c'est de la curiosité naturelle, ça. C'est autre chose. C'est arrivé ou vous voulez pas en parler ? C'est comme vous, il y a prescription. Hein. Personnellement, ne font pas partie de la... Rien à signaler sur la question. Voilà. De la distribution, donc... D'accord, donc voilà. Il y a eu... Ça vous fait plaisir d'en voir des images de la série ? Oui. Moi, ça me fait rire aujourd'hui. C'est vrai que je ne regardais pas à l'époque. On regardait les retours de plateau, mais après, je ne regardais pas des épisodes. Je ne pouvais pas. Pourquoi ? Parce que ça ne me plaisait pas, forcément. Donc, voilà, je faisais mon boulot. Ce qu'il fallait faire, mais je ne prenais pas de plaisir à le regarder. Mais aujourd'hui, oui. Vous avez été surpris parce que vous avez tourné en fait pas mal d'épisodes avant que la série soit diffusée et rencontre le grand public ? Ben non, très peu finalement. Ah bon ? Tout de suite, ça a été mis à l'antenne ? Non, parce qu'on a commencé en avril 92 et puis moi je me souviens avoir passé un week-end à La Canon, j'étais sur la plage en juillet, donc 3 mois plus tard. Et alors ? On m'a demandé un autographe. Ça vous a fait quoi ? Donc c'était. Ça m'a fait rire. Ça m'a amusé. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé. Et non. Non, vous arriviez à avoir ce recul-là quand vous aviez 20 ans, à vous dire ça va passer et... Oui, je me disais, bon. Pour moi, c'était 52 épisodes, 200 000. Pour moi, c'était ça l'objectif. Mais alors, c'est pas passé. Hein. C'est-à-dire que d'une mode, c'est devenu un véritable phénomène de société, dans des points que personne, je pense, ne pouvait espérer, pas même les producteurs dans leurs rêves les plus fous, à mon avis. Vous avez dû être forcément dépassé par l'ampleur du succès. On n'a pas le temps de réfléchir, ça va trop vite. Et puis de toute façon, pendant que toute cette espèce de grosse mécanique des médias se met tout ce branle-bas de combat qu'il y a autour de nous, nous on est enfermés dans un plateau 24 heures sur 24. Ouais. Et on rentre chez nous, on arrive sur le plateau, il fait nuit, on rentre chez nous, il fait nuit. Et d'un seul coup, on se dit qu'on peut prendre le métro, oui. Ou qu'on peut faire nos courses normalement sans déclencher une forme d'hystérie. Mais... Les Beatles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et comment vous réagissiez à ça ? Comment on peut avoir du recul par rapport à un moi, succès pareil ? Moi, j'ai pas de recul, moi, je le vivais à fond. J'étais là, ouais, super. j'ai réfléchi, j'ai pas cherché à réfléchir du tout. J'ai vécu le truc à 100% et avec beaucoup de plaisir, et voilà. C'est-à-dire qu'un garde du corps, vous avez dit que vous faisiez plus d'effet au public que Madonna ? Parce que la semaine, je crois que quelques semaines auparavant, il avait eu en charge de s'occuper de Madonna. Il nous a dit, même avec elle, on n'a jamais vu ça. Voilà, je ne l'ai pas pris au sérieux.
Mais vu ce qui s'est passé après, je me suis dit, tiens, c'est peut-être vrai. Alors, le problème qu'on a quand on est jeune et que tout le monde nous dit que c'est ça, qu'on est indirectement formidable, on a tendance à vouloir le croire parce que c'est tellement agréable comme sensation. Bah, le jeune âge aidant et les choses se précipitant, forcément, on a tendance à se prendre peut-être pour quelqu'un d'important. Mais ça ne dure pas. Merci, papa. Bon. Il y a une phrase qui dit comme ça, il y a un moment dans la vie où tout marche, il ne faut pas s'inquiéter, ça passe. Oui. Un peu de choses près. Qu'en pensent les autres garçons? Quels souvenirs les plus forts vous gardez de cette époque de fébrilité, d'hystérie? Quels sont les flashs que vous avez? C'est difficile. C'est vrai que ce que disait Patrick, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur que ça prend quand on est sur le plateau et qu'on tourne régulièrement comme ça tous les jours. Et c'est vrai que quand on sort qu'on en prend un peu plein la gueule et qu'on se rend compte de l'impact sur le public. Ouais. Vous dites c'est difficile. Est-ce que c'était agréable par ailleurs? Très agréable, mais on se demande ce qui se passe. Moi, à la base, j'étais décorateur. Je ne voulais pas être comédien. On m'a proposé le casting comme ça un peu par hasard. Vous étiez décorateur à l'époque? Oui, j'étais décorateur chez AB. Vous étiez sur un plateau, puis on vous a dit tiens, passe dans la lumière. C'est un peu comme ça. Chose près. Oui, c'est un peu comme ça. Donc, ils cherchaient un mec avec des cheveux longs pour faire un portugais. Donc, ils m'ont attrapé. Oui, c'est ça. Il y a des associations d'idées qui sont bizarres parfois. C'est un peu ça. Ouais. Et voilà, tout simplement, j'ai fait le casting et puis. Et paf. Ouais. À quel moment vous avez réalisé que la notoriété était assez encombrante? On s'en rend compte vraiment quand on passe une soirée avec un ami, une amie, et que c'est pas trop possible à ce moment-là parce qu'il y a des gens qui viennent régulièrement vous demander un autographe. Ça va un moment, quoi. Ça fait partie du job, c'est sympa, on est là aussi pour le public, mais à un moment donné, on a aussi notre vie. Et... Mmh. Vous vous trouviez bon dans la série? À chier. Ça, c'est cash. Ah oui, c'est cash, oui. Ouais. Je sais pas comment je dois prendre ces applaudissements. Pour la sincérité. Ça veut dire que j'ai raison, merci beaucoup. Non. C'est pour la sincérité. Sympa. C'est pour la sincérité de votre réaction. Non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, vous vous trouviez mauvais quand vous voyiez? Ah, mais je le trouve toujours maintenant. Et vous arriviez à bien le vivre, enfin, je veux dire, à assumer tout ça? Très bien. Moi j'étais très content. Je, comme disait Patrick, je gagnais très bien ma vie. Avec les filles, c'était génial. Tu rentres en boîte de nuit comme chez toi, c'est fantastique. Voilà. Voilà. Vous êtes parti de votre propre chef de la série, au bout de combien de temps? Je suis parti 8 ans après. Pourquoi vous êtes parti? Ras-le-bol. Pour moi, c'est différent, c'est qu'on m'a proposé de faire ce rôle, alors que je n'avais pas du tout envie d'être comédien. C'est marrant parce qu'on vient de mettre la tête de votre tête avec les cheveux longs et bing, vous baissez les yeux. C'est pas ce que vous faites de mieux. Vous êtes mignon. Vous le trouviez à chier au début aussi, excusez-moi. On était tous un peu. Non, je ne parlais que de moi. Non, non. Et le problème, c'est qu'après toutes ces années, on a envie de passer au grand écran ou non, ou pas forcément au grand écran, mais rester à la télévision, peu importe, mais à des rôles plus importants, plus consistants, voilà, plus consistants. Mmh. Et quand ça vient pas, ben voilà. Ça a été compliqué les castings. Qu'est-ce que vous avez entendu? Très compliqué. Bah, on entend de tout. On entend de tout cette espèce de jalousie, une espèce de racisme envers AB à cette époque Du mépris. C'est lourd. Ouais, c'est lourd, c'est très très lourd. Il y a une forme de jalousie pour vous faire payer votre succès, vous pensez aussi? Je sais pas, ça, je suis pas à la place des gens que j'ai rencontrés, mais c'est pas facile, quoi, voilà. Si vous, Dominique, je vois. Moi, je dirais un sectarisme. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je venais juste d'être agent, et les castings ne regardaient jamais, les gens qui font des distributions à la télévision, au cinéma, ne regardaient jamais Hélène et les garçons. Et ils n'ont même eu jamais la curiosité de le regarder en se disant peut-être qu'il y a des gens bien, c'était quelque chose à part. Tout le monde dans le même sac. Et je trouve ça quelque part... Alors quand on voit exactement en Amérique que tous les vedettes actuelles du cinéma viennent du sitcom, et à l'époque, il a raison, c'était peut-être pas du racisme, mais du sectarisme. Mmh. Ils ne font pas le même métier, voilà. Et quand moi j'ai rencontré Hélène Roll quelques années après, où elle était vraiment dans des difficultés, dans une précarité, et j'ai fait des essais avec elle, elle était formidable. Mais à l'époque, quand on allait parler d'Hélène Roll à des cinéastes, enfin à des maisons de production ou à des diffuseurs, ah non, c'est pas possible. Même pas la curiosité de donner une seconde chance.
Nathalie, oui. Je peux dire quelque chose à oui, ce sujet. Avant que Maurice Pialla ne nous quitte, on avait avancé sur un projet où je devais travailler pour lui. C'était quand même un grand monsieur de cinéma et on était vraiment très proches. Et à un moment donné, au bout d'un an, un an et demi, il a été obligé d'abandonner le projet parce qu'il m'a dit « Malory, ça fait pourtant 35 ans que je fais ce métier. À partir du moment où je prononce ton nom, on m'a clairement fait comprendre et tous les producteurs avec lesquels j'ai déjà eu beaucoup l'habitude de travailler, on ne mettra pas un euro sur la tête d'une fille qui vient du Miel et les Abeilles. Ouais. Même si le créateur lui-même avait fait son choix. » Pendant que vous faisiez la série, vous vous êtes dit c'est trop cucu, c'est trop concon à un moment ? Non, c'est, je me disais pas, c'était cucu concon. Mais c'était cucu concon, mais c'était quand même bien. C'est marrant comme à dire, c'est drôle. Mais c'est vrai, ça sonne bien. Tu lis bien. Mais pour une fois, j'articule un truc. Oui, non, mais on savait ce qu'on faisait. Il y a des répliques qui revenaient régulièrement dont vous en aviez vraiment marre, vous ? Oui. Quoi ? D'ailleurs, même aujourd'hui, je refuse de le dire. C'est quoi ? Mais quoi, quoi ? Parce que ça me donne des ouais, pour boutons. Tout le monde. Quoi, laquelle ? Bah, peut-être à la fin de l'émission. Non, mais dites-le maintenant. Bah, je prends envie de le dire. Je peux pas, j'arrive pas, ça reste coincé, là. J'arrive pas. D'ailleurs, je... Tu dis en anglais ? D'ailleurs, je présente mes excuses à tous ceux qui sont appelés Christelle, Christophe, Christian. Si je vous ai fait souffrir, je suis vraiment désolée. Et vous avez des nouvelles de Cri-Cri d'amour, non ? Vous avez non, des nouvelles je crois de... que toi, oui. Oui, oui, oui. Comment va-t-il ? Très bien. Rien de spécial à signaler ? Bah, il prépare des choses très importantes, donc c'est pas à moi de... D'accord. De, voilà. Mais vous allez entendre parler de lui très prochainement. Bonne chance. Voilà. Et à tout le monde. Magali, vous avez également le sentiment d'être un peu cataloguée, rejetée après votre rôle dans Le Premier Baiser ? Pas vraiment, en fait. Parce que moi, il y avait vraiment un décalage entre mon personnage et puis ce que je suis dans la vie. Donc en fait, finalement, quand j'allais au casting, on me reconnaissait très rarement. Ou alors, quand on me reconnaissait, c'était une fois qu'on avait lu mon CV, et là, on se disait « Ah, mais oui, c'est toi !» Alors, il y a 16 ans, donc, vous avez marqué toute une génération avec le personnage d'Annette dans Premier Baiser, donc cette jeune fille à la voix criarde, oui. Avec des lunettes et des couettes, on a peut-être une photo. Et voilà. Vous avez pris la meilleure photo, là. Ah, elle est mignonne. Avec une petite tête un peu désolée. Comment s'est passé le casting ? Comment vous avez été retenue pour ce rôle un peu décalé par rapport à vous ? Eh ben, en fait, moi, je faisais des castings déjà depuis longtemps. Pas en comédie, en comment dire, pub, etc. Parce que j'ai été mannequin enfant depuis l'âge de 12 ans. Et donc, j'ai beaucoup fait de photos, des publicités, etc. Et un jour, sur une pub, il y a la directrice de casting qui m'a remarqué et qui m'a dit « Mais ça t'intéresserait pas de jouer à la comédie ?» J'ai dit « Ouais, d'accord. » Et donc, je suis allée au casting sans vraiment, absolument pas du tout me rendre compte de ce que j'allais faire et ce que ça représentait. Et je suis arrivée, j'ai passé une scène. D'ailleurs, je remercie ma maman qui m'a aidée à prendre mon texte et, ce jour-là. Et je suis arrivée, mais je l'ai fait comme ça, vraiment avec aucune pression parce que j'avais pas du tout envie d'être comédienne. Voilà, donc, et puis ça a marché. C'était un rôle décalé, je disais. Ouais, le personnage devait zozoter voilà, à l'origine. Ça s'est fait en deux étapes. C'est-à-dire qu'on m'a rappelé et on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir, mais on te ferait des couettes, on te ferait des lunettes et il faudrait que tu zozotes ?» J'ai fait « Ouais, d'accord. » Et donc, je suis arrivée. Et par contre, j'avais essayé en zozotant, en faisant le texte en zozotant qu'on m'avait donné à apprendre. Et j'y arrivais pas parce que c'était pas naturel pour moi. Et par contre, bah, j'ai fait la voix d'Annette, cette fameuse voix. Et je pense que si j'avais pas fait cette voix, j'aurais jamais été choisie pour Vous l'avez posée comment, votre voix ? Ça donnait quoi ? C'est comme le cri-cri d'amour. Alors, je ne sais pas, je vais réfléchir si je vous la fais. Ah, vous montez dans les aigus dès que vous le dites tout de suite. Bon, allez. Ouais, je vais la chercher. Allez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je sais pas, moi. Non, mais ça fait plaisir à tout le monde. Alors, c'est une série qui a connu un très grand succès public. Également, comment ça a transformé votre vie de jeune fille ? Eh bien, au départ, moi, je ne me suis pas du tout rendu compte de ce que ça représentait. Parce qu'en fait, nous, on a tourné pendant 8 mois sans que ce soit diffusé. Ah oui, donc vous avez connu le grand décalage, vous. Voilà, donc on a tourné, on était enfermés dans notre bunker pendant 8 mois à tourner. Et en fait, c'est au retour. C'est la première diffusion, c'était pendant les vacances de Noël. Donc moi, j'allais à l'école. Enfin, la plupart de nous tous, on faisait encore des études. Et au retour des vacances, là, ça a été terrible. Moi, j'avais déjà vécu
la jalousie vis-à-vis des photos, donc j'en avais absolument pas parlé. J'avais que deux amis dans ma classe qui étaient au courant et j'en avais parlé à personne. Tout le monde savait que j'étais pas là le vendredi, mais personne ne savait pourquoi. Et donc quand je suis revenue, les gens de ma classe m'ont dit « Mais pourquoi tu nous l'as pas dit ? Vraiment, tu te la pètes ?» D'un seul coup, j'avais changé. Alors c'est pas moi qui avais changé, c'est leur regard. Comment vous l'avez vécu ? Bah, pas très bien, parce que c'est pas évident. Les gens s'arrangent pour être très méchants parfois, au niveau... Des remarques. Des remarques, voilà. Surtout que j'avais un personnage qui était un peu particulier. Donc, très souvent, on faisait un peu l'amalgame entre le personnage. On se disait, la pauvre fille, elle a une sale voix. Elle doit être con. Le public, les gens que vous croisiez, les jeunes que vous croisiez dans la rue, vous connaissiez pas. Par contre, dans la rue, j'étais pas trop repérée, en fait. Parce que comme je suis quand même différente, merci pour moi. Vous portez pas des couettes et des lunettes à l'époque dans la rue. Enfin, les gens avaient toujours un petit doute. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est pas elle? Donc, il y avait quand même un moment pour s'échapper. Voilà, là. Juste le temps de baisser la tête. Et Ça vous a fait tourner la tête? Ouais, complètement. À quel âge? J'avais 18 ans. Voilà. Et j'étais pas tout à fait finie. On n'est jamais vraiment complètement fini, malheureusement. Ouais. Donc oui, j'ai un peu pété les plombs parce que forcément, on gagne beaucoup d'argent. D'un seul coup, on vous met sur un piédestal. Les gens vous disent qu'ils vous aiment. Que vous êtes formidable. Et c'est facile génial. De croire les compliments. Et ouais, c'est facile. Et puis ça fait du bien aussi. Ça fait du bien d'avoir l'impression de faire plaisir aux gens. Enfin voilà, tout ça. Donc c'est assez, ça fait tourner la tête. Et surtout qu'on ne nous donne pas le mode d'emploi. Ah non. C'est ça, il faut le chercher. Et ça, c'est beaucoup plus dur à trouver. C'est de ne pas le trouver trop tard, oui. Voilà. Vous avez résisté à ne pas flamber tous vos cachets? Non, j'ai tout craqué. Ah bon? Comment vous dépensez votre argent? J'ai fait plein de voyages. J'en ai prêté, donné beaucoup aussi. Ouais. Prêter, ça veut dire donner dans ce métier. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai acheté une maison aussi. Je n'ai pas fait que des pas mal. Conneries. Vous l'avez toujours, votre maison? Non, je l'ai revendue. Les impôts. Normal, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu l'impression de commencer un petit peu à l'envers. C'est-à-dire, on commence avec beaucoup de choses, on ne sait pas comment les gérer. Et puis, finalement, les choses s'en vont, on retourne aux choses essentielles, et puis on recommence, et puis voilà. Et c'est pas mal. D'accord. Comment vous avez fait le deuil du personnage d'Annette? Oh, alors... Sans fleurs ni couronne. Vraiment, la pauvre. Non, vraiment aucun souci, non, vraiment pas de problème. Mais en même temps, elle fait partie de moi et je suis ravie quand on en reparle. Parce que surtout aujourd'hui avec le recul, j'imagine, quand vous voyez l'affection que le public garde pour ces personnages. Elle avait un côté tellement sympathique que c'était... mais si on parle de cette période juste après que vous partez de la série, quand vous gambergez, à quoi vous pensez? Eh bien, je me dis que ça va être dur et que je ne sais pas du tout comment faire, surtout. J'ai commencé à faire des castings, en fait. J'ai fait pas mal de castings. Et par contre, moi, je n'ai pas vécu le côté où les gens vous disent « Ah ben non, vous êtes complètement catalogué. » En tout cas, on ne me l'a pas fait ressentir. Voilà, je ne l'ai pas du tout ressenti. C'est vrai que par contre, je n'ai pas beaucoup tourné. Qu'est-ce que vous avez fait ces 5 dernières années? Alors, je fais plein de choses. J'ai bossé pendant 3 ans dans l'animation avec des enfants. Dessins animés? J'ai adoré faire ça. Je me suis éclatée. Des dessins animés? Ah non, de l'animation, animation avec des enfants, occuper leur temps de loisir. Donc j'ai monté plein de projets et en plus, ce qui m'intéresse beaucoup avec les enfants, c'est que c'est quand même les spectateurs de demain. Et que si on peut, mais bien sûr, et si on peut juste leur mettre une petite étincelle pour que la curiosité et l'envie de faire des choses et d'aller voir des spectacles et de faire des trucs, ça peut naître à un moment donné, et bien ça m'intéresse vachement. Donc la grande question, c'est est-ce que vous êtes tenté par un retour sous les projecteurs? Mais je continue, même si je ne suis pas à l'écran, entre guillemets, à la télé, parce qu'il y a quand même d'autres choses, une autre façon de faire ce métier-là. Je continue à travailler, sauf que je fais des choses qui sont beaucoup moins médiatiques. Là, j'ai tourné dans le film de Claude Berry, je vais tourner dans le prochain. J'ai joué dans une pièce de théâtre l'année dernière. J'ai fait un film d'horreur avec, avec Jean Rollin, qui est quand même un grand... cinéaste qui fait du cinéma depuis 30 ans. Je continue mon chemin. Et puis quand ça ne me permet pas d'en vivre, eh ben, je suis capable de faire autre chose, d'aller bosser, d'aller faire des petits boulots. J'ai bossé comme vendeuse, j'ai fait plein de trucs comme ça et ça ne me pose pas de problème. Vos deux comparses de Premier Baiser sont également parmi nous. Ouais. Vous êtes restés en contact? Je suis contente de les voir, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Oula. On a abandonné la parole au couple mythique de la série Justine et Jérôme. Pour le plaisir, un extrait de Premier Baiser.
Allez, si je perds la boule, tu m'embrasses. Ok. Tricheuse. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je suis sûr que ma stratégie était la bonne. Rien de tel que le look pour séduire. Et puis, il fallait bien que j'amortisse le costume. Bon, remarque, on s'y fait. Camille et Fabien, alias Justine et Jérôme, sont avec nous, bonsoir. Donc, c'était quelques années, mais enfin, des millions de spectateurs étaient fidèles de vos aventures chaque mercredi à 18h. La première question qui nous brûle tous les lèvres lorsqu'on voit tous les deux, c'est est-ce que vous êtes toujours ensemble? Je lui avais dit, ça va être la première question. Ah bah, et voilà. Ne passons pas à côté des choses simples. Ah bah, on se revoit toujours très régulièrement. D'accord. Moi, c'est le seul que je revois de la série. Bah voilà. Toi aussi. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? C'est une question qu'on vous pose? Ah oui, tout le temps. C'est une question qui revient très, très régulièrement. Mais désolé de casser le mythe, mais on n'a jamais fait quoi que ce soit ensemble. Bah, il était témoin à mon mariage. Et il y a de grandes chances qu'elle soit témoin du mien. D'accord, donc il n'y a jamais eu d'ambiguïté dans vos relations à tous les deux? Non, vous avez réussi à rester amis, malgré la pression médiatique, malgré ce rôle de couple que vous avez joué pendant des années. Pas de jalousie de la part de vos conjoints respectifs? Puis après j'arrête avec la vie privée. Mais... Bah, il a accepté qu'il soit témoin, hein, donc pas de jalousie, non? Non. Vous avez connu votre fiancé pendant que vous tourniez dans cette série? Moi je l'ai connu en terminale, moi, donc ça faisait... Moi, j'ai commencé la série, j'étais en quatrième, j'avais 13 ans, et j'ai rencontré mon mari à 17 ans. Vous étiez encore dans la série, alors? Oui. J'ai fait la série de 13 ans à 22 ans. Vous n'avez jamais lâché l'école? Non. Moi, en fait, au départ, j'avais pas le choix, parce que j'ai fait les musclés de 13 ans à 15 ans. Ah, quand même. N'oublions pas les musclés de 13 à 15 ans. Voilà. Et ensuite, premier baiser, mais donc l'école était obligatoire au départ. Jusqu'à 16 ans, au moins, oui. Et puis, moi, ça m'a toujours plu d'avoir les deux, parce que ça m'a toujours d'abord aidé de continuer les cours. Et puis, je crois que la série seule, ça me suffisait pas. Ça demande un grand recul, ça, parce que vous grandissiez, vous passiez votre bac, vous alliez à la fac, et puis parallèlement à ça, vous continuez à tourner dans Premier Baiser. Quel regard vous portez sur votre personnage? Le personnage, elle se laissait beaucoup faire par Jérôme d'abord, qui la trompait tout le temps. Non, mais j'étais assez différente de Justine, je pense. Mais le personnage, c'était une petite comédie, pour c'était amuser. Quoi? C'était amusant pour vous, c'est ça? Moi, c'était un loisir. C'était un loisir qui me prenait beaucoup de temps parce qu'on tournait jusqu'à 50 heures par semaine. Mais j'aimais bien aller tourner. On passait des journées agréables, mais j'aimais bien retourner à la fac le lendemain, quoi. Fabien, vous avez réussi à garder la tête froide, vous, pendant que votre copine allait à l'école? C'est pas toujours évident. Je pense que, comme tout le monde, on a tous notre petit moment de pétage de plomb. C'est arrivé à quel âge pour vous? C'est venu, je dirais, au tout début de la série, au tout début de la diffusion de la série. Après, ce qui est important, c'est de ne pas changer d'entourage, parce qu'on se découvre en général, à ce moment-là, beaucoup, beaucoup d'amis qu'on n'avait pas avant. Plein. Ouais. Plein, mais alors... Et c'est très facile parce qu'on est invité partout, on rentre en boîte comme chez soi, dans les restos, on nous paye le champagne à tous les coups, on ne peut pas faire 100 mètres sans être arrêté dans la rue. On a tendance à y croire. Et quand on commence à traîner un petit peu dans les festivals, ce genre de choses, et les soirées, alors là, ça devient le délire. Mais, des abus, des excès en tout genre? Voilà, exactement, ouais. Exactement. Enfin, en tout genre. Pas trop non plus, mais bon. C'est très facile d'y croire et c'est important dans ce cas-là que l'entourage reste le même. Voilà. Bah, et après, c'est vrai que c'est important d'avoir eu des... Moi, je crois que c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire que la série. Oui. J'ai pas eu non plus de vocation de comédienne et c'était vraiment un passe-temps à côté. Mais je me disais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et... Vous avez choisi d'arrêter avant qu'elle ne s'arrête. D'ailleurs, pourquoi vous êtes partie de la série? Moi, je suis partie parce que j'avais eu ma maîtrise de finance et que je rentrais à Sciences Po à ce moment-là. Waouh, Sciences Po Paris? C'est une grande école. Et du coup, je me suis dit, là, il faut quand même que je choisisse mon métier. Et donc, je me suis maîtrise consacrée, de finance, moi, à... Ouais. Et quand vous êtes arrivée à Sciences Po, comment vous en regardez les autres? Mais de toute façon, à la fac ou à Sciences Po, de toute façon, il y a un regard au départ, on attire plus l'attention. Ça me mettait plus de pression. Fallait que je sois... Voilà, je ratais beaucoup de cours. Je ratais 3 jours sur 5. Donc, il fallait que je sois... Mais les jalousies qu'on a entendues, les réflexions désagréables... Ben, moi, j'ai terminé major de ma promotion. On était 600. Et du coup, ils m'ont pas tellement fait de raillerie sur la série. Ouais. Et puis, on me connaissait en dehors, du coup. Donc, les gens, au bout d'un moment, quand ils vous croisent, oublient un peu le... Voilà. Vous avez jamais pété les plombs, vous? Vous avez jamais eu la grosse tête? Non. Ben, parce que j'avais à côté...
voilà, à côté, j'étais une parmi d'autres, quoi. Vous aviez une vérité qui était métronomique et qui vous, qui vous rappelait... J'avais du coup pas trop le temps d'aller en boîte. Alors actuellement, vous occupez un poste à responsabilité dans une agence de pub importante à Paris. Et là, quand ils vous ont vu débarquer dans cette agence de pub, vous êtes directrice de clientèle. Mm-hmm. Et on vous a reconnue ? Oui. Mais vous avez des remarques ? Bah, les gens s'auto-censurent. Parlez à vos collègues ce soir. Non, mais les gens disent, ah, il faut pas lui en parler, elle va pas aimer, etc. Après, les créatifs dans les agences de pub, ils recherchent des photos de moi sur Internet. Ils aimeraient bien trouver une photo de moi nue sur Internet. Ouais. C'est un peu leur passe-temps. Je vais vous donner le site tout de suite. Oui. Voilà. Mais elle existe. Bon, en tout cas... C'est vous qui l'avez prise ? Non, mais... mais en tout cas, ça, je le laisse parler. Oui, c'est pas vrai. Non, ben non. Mais en tout cas, ça se passe bien parce que... Donc quelqu'un qui est un peu gêné, qui tourne autour du sujet, qui vient vers vous, comment non, ça... Non mais c'est un sujet de blague. De temps en temps, ils me disent on va à la cafette, ou quand j'ai terminé une phrase, ils me font le jingle de premier baiser. Voilà. C'est sympa. Mais c'est sympa, ouais. Et vous avez des petites filles aussi, deux petites filles ? J'ai deux petites filles de 6 ans et 3 ans. Qu'est-ce qu'elles connaissent de votre personnage de la série ? Je crois que ma mère leur a montré quelques épisodes discrètement. Donc elles savent que je passe à la télé. Mais voilà, elles ne savent pas plus que ça. Vous aimeriez qu'elles suivent cette voie plus tard ? Moi, j'avais commencé justement à faire des publicités quand j'avais 3 ans. Et je ne leur ferais pas suivre cette voie. Ce serait facile. Pourquoi ? Puisque je travaille dans la pub. Parce que je pense que ça peut à plein de moments déraper. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais que j'ai eu la chance que mes études me plaisent et donc de continuer. Mais je ne prendrais pas ce risque pour elles. D'accord, c'est bien en plus de dire que c'est de la chance. Alors Corbier, comment ça va ? Ça va. François ou Corbier ? Comme tu veux. Je sais pas, comme tu veux toi. Non, appelle-moi François, c'est sympa. François, on n'avait pas de tes nouvelles depuis longtemps. Ce soir, c'est son grand retour. On est particulièrement heureux de recevoir François Corbier sur ce plateau. D'autant plus qu'il y a juste 48 heures, tu étais hospitalisé pour une raison d'appendicite. Ça va là, ce soir ? Non, ça va, ça va. Globalement, comment ça va, globalement ? Globalement, ça va difficilement, mais... Tant que je suis vivant, tant que je peux prendre ma guitare, c'est que ça va. Quoi. D'accord. Alors au départ, tu étais musicien, tu toi, donc et chansonnier. comment tu as atterri dans la bande de Dorothée ? L'histoire est assez cocasse. Moi, je faisais du cabaret, beaucoup de cabaret, hein, l'Écluse, le Port du Salut, le Caveau de la République. Pour jouer des petites chansons ? Oui, je faisais des petites chansons rigolotes. Et puis un jour, Madame Jacqueline Joubert, qui était la directrice de l'unité de jeunesse d'Antenne 2, est venue voir le spectacle du Caveau de la République. Et il y avait des enfants qui étaient dans la salle. Elle a vu que les moutards rigolaient... en écoutant mes chansonnettes, et elle m'a demandé de venir faire ce que je faisais en cabaret pour 3 francs. Elle m'a proposé de m'en donner 10 fois plus. J'aurais été bête de refuser. Tu avais une idée de ce que pouvait être l'impact de la télévision ? Aucun. Tu avais quel âge ? J'avais 38 ans. La télé était un média assez jeune encore, hein ? Oui. Donc on connaissait peu l'impact. Oui, oui. Et puis surtout, ça ne m'intéressait pas, la télé. Moi, je m'en fous. Mais même encore maintenant, c'est un truc que je ne connais pas. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Hein. Pourtant, tu as habité pendant une quinzaine d'années à l'intérieur, quand même. J'étais dedans, complètement, et je me rendais compte de rien. C'est que j'allais au boulot, je disais bonjour aux copains, je leur faisais des bises, je disais des conneries à n'importe qui. On me répondait gentiment, on m'envoyait chier d'autres fois. Mais je ne me rendais pas compte si c'était bien, pas bien. Et à quel moment tu t'es rendu compte que la douceur de l'anonymat, c'était terminé, ça ? Eh bien, c'est un jour, je descends d'un train, il y a une dame qui me prend par les épaules, qui me retourne et qui me dit « Dites bonjour à mes enfants !» Je me suis dit « Là, il y a un truc, hein. » Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Comment tu as réagi ? J'ai pas ma langue dans ma poche, je suis assez grossier quelquefois. Donc, c'était pas valorisant pour toi de... Non, non. C'était quoi ? C'était agressif ? C'était agressif, c'était malpoli, c'était hors situation... C'était lamentable. Je n'aime pas du tout ça. Tout est dans la façon de demander ? Oui. Absolument. Ouais. Oui, oui. Absolument. Oui, d'accord. Moi, je vois quelqu'un dans la rue que j'aime bien. J'essaye de... Si j'ai envie de lui dire quelque chose, j'y vais en disant « Oh, excusez-moi de vous déranger. » Bon, puis voilà. J'aurais pas idée d'aller voir cette personne en disant « Hé, des genoux, ça va ?» Jamais, quoi. Jamais. Dans quelles autres situations la célébrité avait un goût difficile à avaler ? Je me souviens un jour... Je vais chez McDo, j'étais un peu pressé. Attention les marques, hein, ouais. Je suis censé faire le flou. J'allais manger un petit pain. Bon alors, j'allais manger un petit truc. Hein. Petit sandwich. Un sandwich, vite fait.
Et il y avait une tribu de gamins qui étaient là, c'était un anniversaire, tu vois. Et le gérant du lieu vient me voir et me dit « Oh, monsieur Corbier, si vous allez dire bonjour aux enfants, je vous offre votre repas. Je travaille pas pour le prix d'un bac. » Je me suis barré. D'accord. Est-ce qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des bons côtés? Oui. De la célébrité, il y avait des bons côtés? Quels étaient les bons côtés de la célébrité? Les gens justement polis, gentils, tu débarques quelque part dans un restaurant, « Monsieur Corbier, ça nous fait plaisir, on vous offre l'apéritif par exemple, c'est agréable. » Incroyable. Et comme j'aime bien picoler, je... Oui, Magali. Le truc incroyable, c'est que, en fait, plus on est célèbre, on a quand même de l'argent, on gagne bien notre vie, et bien moins on paye. Ouais. Ça, c'est dingue. Ouais, ça, c'est vrai, ouais. Et c'est collé qui disait, moins on peut payer, plus on paye, inversement. Ouais. C'est incroyable. Pourquoi vous dites que vous auriez aimé, ou que tu aurais aimé être célèbre pour autre chose que cette série d'émissions? On va être clair quand même. Ouais, bah, il faut. Je suis quand même extrêmement connu parce que j'ai reçu des tartes à la crème dans la tronche et des seaux d'eau sur le pif, tu vois. Ça rend sympathique. Ça rend sympathique. Ça, non, mais ça, c'est pas antipathique, mais je suis connu pour ça. Mmh. J'aurais préféré être connu pour des choses un peu plus intelligentes, quoi. D'accord. En quoi ce rôle a donné une image vraiment différente dans la perception du public? Encore une fois, c'était il y a quelques années, on connaissait moins la télévision. Je trouve que les spectateurs ont fait beaucoup de progrès pour décrypter l'image. Ouais. À l'époque, c'était quelque chose de très nouveau pour nous tous. On était tous des spectateurs. En quoi il y avait un décalage vraiment fondamental entre ce que tu étais et ce que tu... Il y avait un truc qui était douloureux, c'est-à-dire que... Les gens pensaient qu'on était des animateurs. On n'était pas du tout des animateurs. Tout ce que nous disions à l'antenne était écrit. On avait le droit de reprendre les mots avec notre langage, mais tout était écrit. Donc ce sont des personnages. Voilà, on était donc comme des personnages de fiction. On était des personnages de fiction, sauf qu'on avait nos véritables noms. Voilà, Dorothée s'appelait Dorothée, moi je m'appelle Corbier, puis voilà, Jackie, etc. Et il y a une assimilation. Je faisais le crétin, donc j'étais un crétin. Et j'ai mis mais des mois à me rendre compte de ça, des mois, des années. Je ne me rendais pas compte du tout de cette chose. Et quand j'en suis rendu compte, c'était trop tard. Je t'ai foutu. Les gens, j'étais un con, c'était fini. Les gens... C'était valable pour Jackie, c'était valable pour Patrick Simpson-Jones. Ouais. Plus pour Patrick, c'est un anglais. Vous êtes restés copains aussi, vous avez réussi à garder une amitié entre vous. Oui. Avec Patrick, c'est difficile, il vit à Miami. Oui, ça marche bien pour lui d'ailleurs. J'espère, tant mieux. Je crois qu'ils vendent des bateaux, etc. Enfin, j'ai vu des articles dans la presse comme quoi c'est un homme d'affaires avec beaucoup de succès. Des bateaux en papier? Non, des bateaux avec des moteurs. Mais oui, il est riche, alors. Je crois. J'ai pas son portable, je suis désolé. tu avais déjà un enfant à l'époque? Ouais. Je t'ai croisé une fois avec ton fils à la sortie du Point Virgule. Ouais. Quel âge avait-il au moment où tu passais dans le Club Dorothée? Quand je passais au Club Dorothée, attends, je suis rentré en 82 à Récréa 2 et au Club Dorothée en 87. Il est né en 72, il avait 15 ans. Ah oui, donc il se rendait très bien compte de ce qui se passait? Ça ne l'intéressait pas plus que ça, je crois. De toute façon, depuis le début, je lui avais dit, tu n'en parles pas à tes copains d'école, tu dis rien. Tu dis rien parce que, bon, il me connaissait, il savait que son père faisait du cabaret. À l'école, il disait, mon père fait du cabaret, oh bon, on s'en fout. Ça voulait rien dire pour les autres gosses. Mais s'il avait dit, mon père fait de la télé, peut-être qu'on lui aurait cherché des poux, des Tu venais pas le chercher à la sortie de l'école, par exemple? Il n'y a jamais eu de scène où tu étais reconnu par ses copains? Non, il rentrait tout seul, il y arrivait très bien. Il rentrait, il se faisait manger tout seul, il se couchait tout seul, et puis le lendemain, il partait tout seul à l'école. Non, mais à la maison, on lui faisait à manger, ma femme lui faisait à manger, je lui disais au revoir, bonjour et tout ça. Mais par contre, ses copains d'école n'étaient pas dans la maison. Tu voulais pas qu'ils viennent? Si, c'est sûr que si, mais ils n'étaient pas là tous, quoi. Oui. Donc quelques-uns de ses copains savaient que qu'il avait pour papa Corbier, mais des quantités d'autres moutards l'ont jamais su. Il n'y a d'ailleurs pas bien longtemps... Un de ses anciens copains de classe que mon fils a retrouvé. Et ils ont à nouveau sympathisé. Donc, le copain est venu chez mon fils et le copain, voyant un poster de moi sur un mur, le copain dit « Oh, tu connais Corbier !» Alors, après 14 ans de bon et loyaux service, tu as décidé de quitter le Dorothée Show. Ouais. Ça a été ton choix. Donc, retour à la vie normale qui a été tumultueux, qui a été difficile. On va en parler juste après. Ouais. Des galères, des coups durs. Aujourd'hui, tu essaies de remonter la pente. Très motivé, puis tu le mérites. Tu as accepté de nous ouvrir les portes de la vie de François Corbier, avec notamment des contacts avec Jackie, dont tu parlais tout à l'heure. C'est un reportage d'Aude Pavani et Olivier Dorin.
Quand j'ai quitté le Club Dorothée en 1996, pendant 3 ans, ça a été à peu près correct, parce qu'il y avait les acédiques. Mais lorsque les acédiques se sont arrêtés, j'ai très vite compris que j'étais en train de me clochardiser parce que j'avais pas de projet, j'avais pas de boulot et j'avais plus de revenus. Et c'était le moment où il y a eu la tempête en plus en 99. Alors ça a été un truc terrible parce que mon toit s'est envolé. Je me suis retrouvé sans toit, dans une maison glaciale, sans chauffage. Et pour pouvoir me chauffer un peu, heureusement il y a une cheminée, j'allais dans les bois comme ça, comme ce petit bois là. Je ramassais du bois mort et je brûlais ça le soir puisque j'avais même pas de quoi m'acheter des bouts de bois. C'était vraiment la dèche. Très dur, très très dur. Et heureusement qu'il y avait les copains musiciens qui habitaient dans le coin qui me donnaient un kilo de patates, des poireaux, un beefsteak, mon frère qui m'apportait de quoi manger. Alors, de temps en temps, j'avais encore rendez-vous avec les copains du Club Dorothée. Alors, je mettais mon costume, je faisais le gars pour qui ça marchait, mais j'étais dans une cagade, mais grave, grave. La traversée du désert durera plus de 3 ans. À cette époque, Corbier voit toutes les portes se fermer devant lui. Non seulement personne ne m'a proposé de travailler ailleurs, mais en plus, même si j'avais voulu faire, caissier dans une grande surface, je suis allé voir des copains qui avaient des grandes surfaces, je leur ai dit « fais-moi bosser, j'ai besoin de bouffer, quoi ». Et les copains me disaient « arrête, Corbier ». Donc j'étais persuadé que j'allais pouvoir reprendre ma guitare, rechanter comme je faisais avant. Ben oui, mais c'était pas si simple que ça, parce que les gens que j'allais voir, je sentais dans l'œil, dans le fond de l'œil du type qui te reçoit, je sentais qu'il recevait un abruti, un crétin, un moins que rien. Bonjour les amis, vous allez bien? Malheureusement, ils n'étaient pas très bien ce matin, ils ont dû rester couchés. Des là. Je ne comprends toujours pas pourquoi le fait d'avoir fait rire des enfants est une chose qui doit être méprisable. Puis tout a explosé, comme à la fête foraine, quand le bus s'est vissé dans un camion citerne fichu journée. Changement de registre, Corbier a tiré un trait sur son épopée télévisuelle. Pour remonter la pente, il revient au style cabaret. Dans ce studio maison, il enregistre 3 albums en 5 ans avec ses vieux copains musiciens. Texte et musique sont signés François Corbier. Alors c'est une petite valse, moi je verrais ça en petite valse. Elle était brune, elle était fine, fraîche comme un jour de lilas. Sa voix n'était pas anodine, son teint ne manquait pas d'éclat. Elle était tous mes paysages et mes soleils d'après minuit. Dans les courbes de son visage, il y avait du Modigliani. Voilà. Très, très bien. Quand j'ai su que tu revenais sur la région, j'étais un des rares à savoir que tu n'utilisais pas ton nom qui était devenu une image médiatique pour faire de la chanson. C'est que tu reviens à tes premiers amours qu'on avait partagés à l'époque. Très peu de gens savent que tu faisais des trucs super exactement dans l'esprit dans lequel tu reviens. Et ça, on a envie de t'aider. Et on a besoin d'un Corbier. Donc on continue. De plus belle. On répète quand? Non, continuer, oui, mais encore faut-il être soutenu par la profession, et ça, ce n'est pas si simple. Corbier est bien conscient que son agent a parfois du mal à démarcher. Bon, et à part ça, est-ce que tu as du nouveau pour moi? Est-ce que tu as des choses qui se présentent? Alors, oui, mais t'as assez marrant, parce que tu tombes plutôt bien. Ah bon? Parce que je viens d'avoir confirmation pour le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges? Ouais! Donc là, c'est vraiment bien, je suis bien content, parce que c'était pas gagné. C'est vrai que c'est pas fastoche avec l'image que j'ai en ce moment, c'est difficile. Ouais, mais forcément, ils avaient un peu d'appréhension, mais comme beaucoup. Ah, ouais. Corbier, ah bon, il retourne, mais qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Bon, mais il y a encore du boulot, quoi, tu le sens, mais tu sens que ça bouge aussi, quoi. Ah oui, il y a du boulot, il y a pas sur la planche, mais ouais. Ça avance plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. Quoi. D'accord, ok. Il reste donc du chemin à parcourir pour faire évoluer l'image de Corbier. C'est ce que tente de faire son fils, Wilfried, par le biais d'un site internet. En tous les cas, tu m'as fait un beau site, mon gars. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est bien de le dire. Parce que sinon, je vois pas comment j'aurais pu moderniser mon image. Je restais un petit peu coincé dans le mec avec sa guitare dans son coin. Non, mais j'arrive aussi à aller sur le web. Oui, l'idée, c'était de faire un site qui te ressemble, par sortir...
les vieilles photos d'Abbé et tout ça, en fait. Oui, ouais, bien on sûr. On modernisait un petit peu tout ça. Et puis. Et le courrier, en ce moment, ça n'arrête pas. Oui. Bah, si tu veux, j'enlève le bouton contact sur le site. Ah, c'est terrible. Et j'ai eu 85 messages. Le lendemain, 110. Le premier jour, ouais. Je vois bien aussi que les gens m'aiment bien. Dans la rue, je me promène, si les gens me reconnaissent. Oh, monsieur Corbier, on est content de vous voir. Qu'est-ce que vous devenez? Je suis quand même plutôt mignon comme garçon. En un jardin, ouais. Hein? Ouais. Ça fait assez. Il n'y a pas que le public qui est nostalgique. Jackie, son ancien compère du club Dorothée, reste très attaché à cette époque. Il va bientôt inviter Corby à son émission sur la chaîne TFJ pour lui donner un petit coup de pouce. Bon, alors ça dure 52 minutes. Est-ce qu'on peut parler ensemble pendant 52 minutes? Ouais, on va y arriver. Hein, on va y arriver. On va parler de ta carrière, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ma vie, mon œuvre. Ouais, on peut parler des cabarets, tout ça, non? Oui. Mais sur scène, est-ce que tu ressens des chansons de l'époque? Du Club Dorothée ou de Regret 2? Tu te souviens de Sans ma barbe? Moi, j'aimais bien. Sans ma barbe? Sans la mienne, je veux dire. Sans ma barbe, quelle barbe! Je suis comme un chien sans puce, bonjour, c'est Milan sans Rémo. Sans ma barbe! Ah ouais, ben voilà, ça marchait bien, ça, non? Ouais, ça marchait bien. Et donc... C'était quoi, attends? Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Bon, puis voilà. Il y avait Pat Le Guen, le réalisateur aussi, de Club Dorothée. Je lui avais fait une chanson, lui. C'était de sa faute, non? Ouais, c'est tout le monde. C'est de la faute à Pat Le Guen, patati, patata. Bah, après, ce que ça racontait, je ne sais plus rien du tout. Et les mots m'adoraient, hein. C'était vraiment... C'est pour ça que je te dis, les trentenaires, je suis sûr que ça... T'en ferais une ou deux, tu vois, un petit passage comme ça, non? T'as pas envie? Pour l'instant, pas. Pour l'instant, pas, parce que tu sais, le monde professionnel est très fermé. Si je fais des choses que je faisais à l'époque, ils vont dire... Oh, il continue, quoi. Non, mais un bonus. Pour l'instant. Ouais, nouvelle chanson. Voilà. Quand les arbres griffent le ciel, quand la lumière s'endort, je ne dis rien, je pense à elle, je l'aime encore. Moi, je suis pas un vendeur de disques, je suis pas un vrai chanteur, j'ai pas le physique pour, j'ai même pas le costard. Faut pas que je crie victoire, ça va être fastoche, parce que ça sera pas fastoche. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Club Dorothée? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi ou est-ce que ça a été soudain? Non, c'était complètement réfléchi. Le jour où je me suis dit je vis avec des gens qui n'ont aucun point commun avec d'où je viens, il fallait que j'arrête. Ces gens-là passaient leur temps à s'engueuler, à monter en épingle des épiphénomènes ridicules et à s'en foutre sur la gueule. Moi, je ne supportais plus ça. C'était le cas au milieu de la bande aussi? Non, en coulisses autour. Oui, c'est ça, c'était entre les producteurs, les réalisateurs, tu vois. Oula, quelqu'un s'est fait mal? Non, ça va. C'est un de mes fans qui vient de s'écrouler. D'émotion. Alors... Le plaisir de voir Claudia en forme. Ouais, je suis content aussi. Ouais. Ça vient 4 jours, j'étais pas sûr. Hein. Bon, alors... Quand tu es parti, tu t'es dit que tu allais faire quoi ensuite? Devenir chansonnier? Oui, c'est ça. Je me suis dit, je vais reprendre ma guitare, et puis il y aura un temps de latence, qui est normal, un an, 2 ans. Au bout de 3 ans, toujours rien. Mais rien, c'est-à-dire à quoi ressemblait ta vie? Ben, rien. Non. Ah ben non, mais quand on s'est croisés dans la rue, t'as vu, j'étais pas très net, quoi. J'étais... C'est pas le sentiment que j'ai eu, enfin, ben, tu sais ouais, mieux que moi. C'est parce que je triche bien, quoi. Mais, beaucoup d'alcool? Ouais, je vidais ma cave, quoi. Je vidais un peu ma cave, mais je m'emmerdais, c'était terrible. Et 2 minutes avant qu'on se voie tous les deux, il y avait Maxime Le Forestier qui est passé, puis il a vu aussi, il me connaissait depuis l'époque des usines, tu vois, on allait chanter dans les usines. Donc il m'a vu, il a dû sentir que j'étais pas bien, j'étais avec mon gamin, avec ma femme, et il est venu vers nous, il est venu me dire bonjour, et il m'a dit « ça va ?» Et je lui ai dit « ben non, je m'emmerde ». Et là, il m'a dit « mais non, non. Tu vas reprendre ta guitare et tu vas te remettre à écrire. Mmh. » Et il m'a dit « ça va être dur parce qu'il y a longtemps que tu ne l'as pas fait, mais tu vas le faire. Mmh. » Il a connu une belle traversée du désert, en plus, Maxime Le Forestier. Hein. Et lui aussi. Et il a fait des petites salles avant de revenir dans des immenses zéniths. Et il connaît ce que c'est que le travail d'un artiste et d'aller au contact et de reprendre la route. Donc je pense que c'était très généreux et très gentil. Oui, c'est une énergie qu'il voulait transmettre, sans doute. C'est ça, voilà. Donc je l'ai très très bien compris. 2 minutes après, c'est toi qui es venu me dire bonjour. Je me suis dit, mais si, non, mais c'est vrai. C'était un jour aussi étonnant, il y a quelques années déjà. C'était très important pour moi, puisque je m'étais dit,
je n'intéresse personne, je suis foutu, ma vie est en train de basculer, je vais devenir une épave, et puis c'est tout, quoi. Moralement, comment tu faisais pour tenir le coup, pour lâcher ta cave ? Oh, on avait les copains, on se racontait des blagues, et puis je me suis mis à écrire. Très rapidement, j'ai retrouvé le sentiment des mots rigolos ou des mots jolis à assembler. Ta spécialité, c'était la chanson flash ? Oui, pendant longtemps, j'ai fait des chansons extrêmement courtes. Chansons de 10 secondes ? Même moins. Par exemple ? Tu veux vraiment ? Ouais. Ah, alors, je vais te faire la chanson du pompier en train de repeindre un pont. Ouais. Pas un pont. Ça fait plaisir. On a connu plus puissant, mais, oui, mais ça fait plaisir. Est-ce que tu as regretté d'avoir claqué la porte quand tu étais en haut de l'affiche à un moment ou à un autre ? Non, jamais. Même pas de ne pas pouvoir nourrir ta famille, de ne pas pouvoir reconstruire le toit au-dessus de ta tête ? Non, ça c'était dur parce que lorsque la tempête en 99 est arrivée, que le toit s'est envolé, tous nos fringues étaient trempées et on n'avait pas de chauffage. Donc on vivait dans l'humidité totale. Je ne pouvais pas aller voir des producteurs. Je serais bien allé voir M. Besbéard en lui disant « Faites-moi travailler s'il vous plaît. » Tu vois, bon, je me serais fait tout petit, je serais venu avec une brosse. Mais tu te sentais pas présentable ? Je puais ! Mais je puais l'humidité, c'était infernal. Ça a duré combien de temps ? Ces années vraiment dures, quoi. Ça a duré jusqu'au jour où je me suis acheté un fer à repasser. C'était quand, ça ? C'était quand ? Ça a pris combien de temps ? Non, mais ça a pris jusqu'en 99-2000, quoi. En 2000, d'accord, j'ai fait un album. Il y a eu une année très difficile. Voilà. Et là, tu prépares quoi en ce moment ? Je viens de faire un nouvel album. Là, je pars en Belgique pour une série de concerts. Et puis, j'ai fait la Flèche d'Or avant de tomber malade. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, je travaille avec des musiciens maintenant, ce qui est assez neuf pour moi. Mais on fait des chansons plus longues que la petite. Hein. Que Papon. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez contacter Corbier, à passer par notre production. Évidemment, on transmettra à François. C'est gentil. Le nouvel album s'appelle « Tout pour être heureux ». Je demande d'accueillir Véronica Lauré, s'il vous plaît. Viens, Véronica. C'est des jolies. Alors, je demande d'accueillir une jeune femme qui a connu le Star System, qui désormais goûte aux délices de l'anonymat, même si personne n'a oublié Véronica Alloubry, animatrice télé, mannequin, comédienne. Tout le monde te connaît, Véronica, et personne ne t'a oublié. À quel âge tu es devenue célèbre ? 22 ans. Tu étais préparée pour ça ? Non, absolument pas. Tu avais conscience du fait que la notoriété s'amplifiait au moment où tu étais dedans ? À 22 ans, j'avais pas vraiment conscience. C'était un jeu. J'ai commencé avec Hélène et les garçons. D'ailleurs, j'étais à un moment la fiancée de... Il doit pas s'en souvenir. Tu t'en souviens ? Oui ? Parce que j'étais la cousine... Ah bon ? J'étais la cousine de Bénédicte, Laurence. Donc ça, t'en c'est souviens très, pas très... C'est vieux, hein ? S'en souviens pas. Tu vois, j'ai pas marqué. Et j'ai commencé chez AB. Donc je m'en rendais pas compte parce que c'était des petits rôles, des petites choses. Et puis très très vite, la télévision, c'est venu comme ça, un casting avec Dominique Cancien. Et puis c'est parti pendant 11 ans. Je l'ai pas vu arriver. Il y a eu des moments assez impressionnants quand même, dès le début de la carrière quand même, avec ta tête en énorme sur des immeubles, des choses comme celle-là. Comment on fait pour garder la tête froide dans ces cas-là ? Est-ce que tu as eu des moments de grosse tête, des moments où tu te déconnectes de la réalité ? C'est-à-dire, quand j'ai commencé sur M6 pour Star News, c'est vrai que j'avais ma tête sur un immeuble 20 mètres par 40. Donc la grosse tête, elle était déjà sur l'immeuble. C'est énorme. Ouais. Mais c'était bizarre parce que ce n'est pas une relation avec le public comme peuvent avoir les gens qui ont fait des sitcoms ou des séries, puisque c'est une relation accessible. C'est-à-dire, quand on est animateur, et tu le sais, on fait partie du quotidien des gens, mais on n'est pas, y a pas de starisation. C'est plutôt C'est familier. Familier. Alors, je faisais partie du quotidien des gens, et tous les jours, dans la rue, je le constatais, mais il n'y avait pas cette euphorie. Personne s'est jeté à mes pieds, personne... Menteuse, ouais. Non. 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 Comment ils me regardent maintenant. C'est rigolo. Dans quelles circonstances tu t'es dit qu'il fallait prendre les devants et qu'il fallait penser à l'après, à mettre un terme à ta carrière télévisuelle ? Il y a un moment, en 2001, j'étais enceinte et j'ai eu un set d'or, le set d'or de la meilleure animatrice. Et je me suis dit, si ce n'est pas moi qui m'en vais, puisque le téléphone ne sonnait pas tout le temps non plus,
on viendra pas me chercher. Je pense que ça se termine doucement. Ça fait 10 ans, toutes les années étaient des années supplémentaires. Et je me suis dit, c'est maintenant. Tu t'es jamais dit, ça pourra continuer, comme Michel Drucker ou Arlette Chabot ou... Non, jamais. Donc 10 ans de petit écran, une quinzaine d'émissions. Tu as décidé de tourner la page. À quoi ressemble la nouvelle vie de Véronica Loubry? Vous allez le découvrir, vous allez être bien surpris. Elle est donc maman, mais elle se débrouille très très bien en termes de business. C'est une working woman à succès. Je te souhaite bonne chance. Tu as comme ambition de détrôner des très très grandes marques. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. C'est un retour à l'anonymat qui n'est pas forcément de tout repos. Véronica travaille beaucoup. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et d'Aurélie Schilling. Tu vas pas à l'école? Non. Tu vas pas à l'école? Non. Oh, bah ça m'étonnerait, mon amour. Regarde, ça y est. Je vais la mettre et je reviens. Salut. Bonjour. Ah, oh, comment ça va? Voilà. Ah non, non. Ah, tu me dis pas bonjour aujourd'hui? Ah, bah, dis donc, t'es gonflé, hein. C'est marrant parce que les gens me font la bise, me disent bonjour. S'assoit avec moi, comme s'ils ils m'ont toujours connu, c'est un peu ça en fait. Je pense pas qu'on s'assied avec Claire Chazal à table hein, pour tchatcher avec elle, parce que peut-être que c'est plus accessible. Moi je fais plus partie, ou j'ai fait plus partie du quotidien des gens. Dans les années 90, impossible d'échapper au visage de Véronica Loubry, d'abord chroniqueuse, actrice de sitcom puis présentatrice, c'est en 2000 que cette Nantaise d'origine connaît enfin la consécration. Véronica Loubry pour le hit sur M6. Cela fait un an que la belle Véronica Loubry anime chaque semaine le hit de MCM. MCM, cette chaîne musicale du câble. Rendez-vous le dimanche à 13h15. Et au départ, Véronica a démarré sur M6. Elle est animée Star News en 95. Puis ce fut Sport Événement le dimanche en 96. Bravo Véronica. Merci. Je voudrais dédier ce set d'or à mes parents, que j'aime plus que tout au monde, ainsi que mon fiancé. Je suis très émue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Félicitations. Mais alors qu'elle est au sommet de sa carrière, Véronica pense déjà à sa reconversion. Son idée, monter sa propre marque de vêtements pour enfants et femmes enceintes, le virage est radical. Ça, c'est pour la femme enceinte, on est d'accord. Hein. Mais on ne met pas de bandeau pour la femme enceinte sur les... Non, hein. On va l'essayer sur un mannequin. Alors, fais voir. Bon, c'est pas assez haut. Ah. Hein, la ceinture, elle est pas assez haute. Ah non. Alors, attends. Ça, c'est l'entrejambe. Ouais, ça. C'est just. Donc. Et c'est avec Vanessa, sa meilleure amie, que Véronica décide de faire le grand saut. En 2002, c'est officiel. Elle quitte la télé. Les deux copines deviennent associées. T'es super honnête avec toi-même. À un moment, t'en avais eu vraiment marre et tu voulais faire autre chose de ta vie, ne pas attendre devant le téléphone. Ouais. Et se dire, bon, bah, la télé, c'est terminé, je vais faire autre chose. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, avant qu'on me le dise. Ouais, ouais, absolument. Je me suis dit, je pense avant qu'on me le dise. Il faut partir avant qu'on vous mette à la porte, quoi. Et je préférais, par fierté, me dire que c'était mieux que ça soit moi qui décide du moment où je... Parce qu'en fait, j'ai commencé la reconversion, j'étais encore à la télé, puisque j'avais eu le 7 d'or, après j'ai eu l'ITEM, puis après j'ai encore présenté des 20h30 sur France 2. Donc, mais ouais. Je les préparais pour que tout s'arrête petit à petit, voilà. Aujourd'hui, Véronica déjeune avec une de ses premières acheteuses. Tu te rappelles, bonjour, c'est Véronica Loubry, j'ai monté une ligne de vêtements pour enfants et femmes enceintes. Ça m'arrachait la tête de dire ça, parce que Vanessa me disait « joue sur ton nom, joue sur ton prénom ». Mais c'est grâce à ça qu'on avait les rendez-vous. J'y arrivais pas. C'est grâce à ça qu'on avait les rendez-vous. Et ça marchait. Oui, bien sûr. Et on arrivait avec notre suite. Mais c'est toi qui fais les rendez-vous avec tes acheteuses encore? Maintenant, c'est Vanessa, la plupart du temps. Moi, Vanessa, tu fais plus de commercial. On s'est vraiment départagé les tâches. Hein. Et si Véro, elle n'avait pas été là, la marque, elle n'aurait jamais marché aussi bien, tu vois? Aussi vite, quoi. Oh, peut-être aussi vite, non. Aussi bien, peut-être, mais aussi vite, non. Aussi vite, non. 5 ans après avoir obtenu un 7 d'or, c'est en chef d'entreprise que Véronica connaît à nouveau le succès. Sa société est en pleine expansion. Ses modèles se vendent dans le monde entier. En fait, ici, on est dans notre stock pour checker tous les cartons qui partent en direct. C'est l'international aujourd'hui. L'international. Alors, on va regarder. C'est de l'autre côté. Ça, c'est l'Algérie. C'est écrit dessus. Oui, mais c'est pas encore parti. Ça devait partir déjà. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on l'appelle. Il y a elle. Il a fermé. Il a scotché. Hop là. Ça m'amuse. J'ai l'impression d'être un peu à l'école à faire la marchande. C'est un petit peu moins glamour qu'un plateau télé, mais en même temps, vous n'avez pas vu l'arrière des plateaux télé, parce que c'est un peu ça. Tu sais, dans un plateau télé, t'as tout le public, tout est beau, tout est plein de lumière. Et dès que tu franchis les câbles, c'est ça. C'est le stock. C'est le stock. Ça ressemble au stock. Donc ça part à Los Angeles. Ça doit partir à Los Angeles. OK. Les paillettes des plateaux télé, est-ce que ça me manque? Tu crois que ça me manque?
Non. Pas du tout. Non, tu t'aimes tellement bien comme ça. Ouais. Et puis son cinéma, elle le fait ici. Bravo. Pas mal, hein? C'est maintenant qu'il va falloir s'accrocher, hein? Ouais. Maintenant que les grands vont... Oui, c'est ça. Vont arriver avec leurs grosses dents. J'ai des grosses ambitions maintenant. D'accord. Comment tu es devenue créatrice de vêtements? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Enceinte, j'étais très grosse. J'avais pris 27 kilos. Et je ne trouvais pas de vêtements qui me plaisaient. Et j'ai fait une séance photo, j'ai fait cloquer sur le ventre le mot fragile, puis des dessins d'une petite fille. Et j'ai posé dans un magazine avec, le rédacteur en chef, il m'a appelé, il m'a dit, j'espère que vous avez déposé ça, parce que toutes les mamans appellent. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà, donc le talent, c'est le rebond. Bravo pour le rebond. Pas de regret sur la lumière, aucun. Aucun regret. Mais que des bons souvenirs, par contre. Aucun regret. J'aurais fait les choses peut-être différemment, mais absolument aucun regret. Au moment où on t'a demandé de faire la ferme célébrité, tu t'es posé la question de savoir si elle pouvait pas nuire à ta nouvelle carrière? Pas du tout. Non, mes clientes, elles étaient super contentes. Les acheteuses, elles m'ont posé plein de questions. Pourquoi tu l'as fait? Pour la pub? Pour la pub, pour la marque? Non, parce que j'avais envie. Tous les choix, je les ai faits parce que j'avais réellement envie. Ça a été une très bonne expérience et je ne regrette pas non plus, non, non. Ça n'a pas apporté un plus, ça a apporté juste qu'avec Vanessa, nos clientes, elles nous regardent différemment. Parce oui, que... ta fille aussi? Ah oui, ma petite fille aussi, qui ne comprend pas vraiment encore, mais bon. Trop petite, 5 ans. C'est un bon souvenir quand même, la ferme? Très, très bon souvenir. Mallory, c'est un bon souvenir? Pour d'autres raisons, je pense, oui. Oui, c'est un bon souvenir aussi. Merci, Sheila, votre visage nous est familier, mais vous n'aviez que 15 ans à l'époque où vous êtes devenue célèbre. C'était aussi... 14 ans même. Certains vous reconnaissent, mais se demandent où ils vous ont vu. Donc je vous propose un indice pour ceux qui se posent encore la question. Ouais. C'est une chanson qu'on pourrait pas oublier, nous non plus d'ailleurs. Non, moi je la connais toujours pas par cœur, mais, oui. Mais c'est vrai qu'elle est encore partout. Et ça te fait quoi quand tu entends cette musique? Quand vous entendez? Ça me fait, sincèrement, ça me fait aucun effet, je la supporte plus en fait. Ah bon? Oui, parce qu'à une époque, dès que j'arrivais dans une soirée, tout d'un coup le DJ, paf, il la mettait, etc. Donc au bout d'un moment, je trouvais ça de moins en moins subtil, quoi. Voilà. Au fur et à mesure que vous avanciez dans votre vie et dans votre carrière. Donc à 11 ans, vous rêviez de faire du cinéma. Vous étiez une petite enragée qui courait tous les castings pour essayer de décrocher des rôles. À 13 ans, vous partagez donc l'affiche avec une actrice nommée Sophie Marceau. Quelle est l'ambiance du tournage, de la Boom? La première Boom, c'était vraiment une très belle aventure. On a tous beaucoup rigolé. C'était une colonie de vacances détendue avec salaire, donc ça c'était pas prévu, on n'était pas vraiment habitués. Moi j'avais quand même tourné un film avant, ça a été vraiment un moment de bonheur. Ça c'est le tournage et puis le film est sorti, alors c'est un phénomène de société monstrueux, énorme. Comment vous l'avez vécu comme jeune fille? Alors tout d'abord on s'y attendait pas du tout à ce succès. À travers un petit peu les témoignages de tout le monde, c'est une jalousie qu'on rencontre au départ. Alors dur. Que oui, ça peut être très agressif. Moi, j'ai retrouvé des courriers avec des têtes de mort, avec du sang, avec des menaces. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques avantages à cette célébrité? Alors, les avantages, je les ai jamais utilisés à des raisons intéressées, etc. Quels sont les avantages? Mais j'ai eu un avantage d'écrire à Monsieur Mitterrand. Voilà, une fois, j'étais vraiment dans la panade à cause des impôts. Et moi, certainement des plus petites sommes que vous. Et j'avais un problème familial à régler, j'étais vraiment en panade. Donc vous avez écrit au président de la République? Et j'ai écrit au président de la République, et c'est la seule fois où je me suis présentée en tant que Pénélope de la Boom. Et je lui ai dit, voilà, vous voyez, je vous ai peut-être fait rire, mais moi en ce moment je ne ris pas. Donc est-ce que vous pouvez m'aider sur ce coup-là? Et il m'a fait une vraie belle ristourne. Le gars des impôts... Le président? Oui. Royal au bar, ah ouais. Merci tonton. C'est la première fois que j'entends une histoire pareille, hein. Oh. Ah non, 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 mais attendez, j'étais vraiment en panade, dans le sens où quand on est jeune et qu'on commence... Vous avez quel âge à cette époque-là, quand vous avez écrit? Là, j'avais à peu près 20 ans et 22 ans, j'ai tourné dans un sitcom, moi aussi. Et puis ça a parti pour la Boom 2 ensuite aussi. Alors oui, entre-temps, il y a eu un téléfilm. En fait, paradoxalement, on m'a offert des rôles très sérieux à la télé et toujours des rôles très comiques au cinéma.
Et moi, j'ai commencé à... Moi, j'avais envie d'une carrière à la Isabelle Huppert. J'avais envie de rôles compliqués. Tu n'en voudrais pas, franchement. Hein. Isabelle Huppert, voilà. C'est la moi, classe. J'aimais bien les paradoxes. J'aimais bien les doubles palettes, etc. Et c'est vrai que j'ai été amenée à... Voilà, à être Pénélope dans les yeux des gens aussi. La mais... Boom, je disais la Boom 2 voilà, aussi. Voilà, la Boom 2 aussi. Comment s'est passé le tournage de la Boom 2? Parce que là, il y avait eu le phénomène qui était passé par là, quoi. Ouais, c'était très, très différent. Sur la Boom 2, on a tous pris conscience que c'était quand même une action commerciale. C'était très différent l'ambiance. Aussi jeune que oui, vous... oui, on en a vraiment pris conscience. On avait 16 ans, mais on avait quand même compris le succès qu'avait eu la première Boom. Comment ça se passait autour de on Sophie On protégeait beaucoup Sophie. Sophie était très mal à l'aise. Elle a même piqué parfois des petites gueulantes en disant « Mais moi, j'ai envie de manger avec eux, j'ai envie d'être avec eux. » Elle était surprotégée, mise à l'écart? Oui, elle était assez mise à l'écart. Et c'est quelque chose dont on a parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'on s'est revus, grâce à votre émission avec Sophie, on s'est revus il n'y a pas très longtemps. Et c'était tout bonheur et c'était chaleureux et c'était vraiment naturel. On s'est retrouvés dans un rapport naturel. Et sur la Boom 2, c'est ce qui a été difficile pour tout le monde, c'est de retrouver ce naturel. Et je dirais même que malgré le niveau de là où elle en est, je pense qu'elle souffre encore de son image aussi de la Boom. Et ça peut vous paraître... Ouais. Dominique est son agent depuis mais si longtemps. Mais j'en suis certaine. Je pense que Pénélope a tout à fait raison. C'est quelqu'un qui souffre encore de la Boom. Bon, moins parce qu'elle a une telle célébrité. Mais bon, pendant très longtemps, on n'a pas pu imaginer, à part Piala avec Police. Très longtemps, on l'a considérée comme une actrice qui aurait pu faire des sitcoms au cinéma. Parce que la Boom, c'est aussi des histoires de jeunes. Bon. Et c'est grâce à Zulawski. Alors, ça a été très, très mal vécu par les gens, justement, de Gaumont, tous ceux qui avaient façonné Sophie. Ils l'ont vu partir avec le diable. Mais elle avait envie de faire son métier d'actrice, de jouer des rôles plus forts. Et elle a eu du mal. On lui en a beaucoup voulu dans la profession. Et pour vous, quand est-ce que le personnage de Pénélope est devenu encombrant? Les rôles qu'on me proposait ressemblaient énormément à des sous-Pénélope. Donc moi, petit à petit, je me suis retirée des castings. La bonne copine, volubile, limite hystérique. Voilà, voilà. Et petit à petit, moi, j'ai commencé à prendre un énorme plaisir à écrire. Et je me suis autoproduite mon premier court-métrage. Puis j'ai commencé à obtenir des subventions pour le deuxième. Et puis le troisième qui est passé sur France 3. Et petit à petit, j'ai commencé à diriger des plateaux de plus en plus importants. Sur mon troisième court-métrage, juste à la déco, il y avait 15 personnes quand même. Wow. Donc, ça a commencé à être vraiment une vraie jouissance, allons-y carrément. Et j'écris aussi des contes pour enfants. Enfin, j'essaie vraiment... Je suis passée de vous exprimer de la caméra, personnellement. Voilà. Mallory, vous avez été, vous, la première surprise quand vous avez été prise pour Le Miel et les Abeilles. Vous aviez quel âge à l'époque? Moi, j'avais 21 ans, donc le personnage que je jouais en avait 17. Donc, c'était mon premier casting de comédienne, en fait. Comment vous avez atterri à ce casting? Eh ben, j'ai, en tant que mannequin, puisqu'en fait, j'étais mannequin pendant... J'ai juste eu le temps d'être mannequin un mois, puisque un mois après, j'étais engagée par AB Productions. Vous avez fait un des essais, on vous a dit voilà le rôle, vous avez dit oui, vous avez signé? Non, j'ai pas dit oui, puisqu'ils ont été obligés de me rappeler, puisque moi, j'y croyais pas. Donc, 4 jours après, on me rappelle une seconde fois pour me dire vous avez été retenu comme rôle principal. Je dis, mais pour quelle raison? Ils me disent, non, mais vous tournez dans 2 jours. Ah, je dis, ah bon, bah d'accord, je viens. Et donc, un mois après, j'étais sur un plateau. Ça va vite, hein? C'est-à-dire tout ça s'est fait en un mois et demi. Quoi. La notoriété, l'impact de la notoriété, vous l'avez mesuré assez vite? Oh, je l'ai mesuré au bout de 6 mois, parce que c'était vraiment le bunker, c'est vraiment le super mot pour décrire ça. On a même fait une série tous ensemble, un épisode où on était toutes les séries réunies. Ouais. Mais c'était quoi ce bunker? C'était le monde de Candice ou c'était plutôt... Oui, c'était ça, c'était un peu ça. Oui, c'était, on était vraiment très... Irréel, quoi, irréel, coupé du... Voilà, irréel. Pendant 3 ans, vous avez incarné Lola, donc la jeune fille candide, légère du Miel et les Abeilles, qui vous a permis de percer sur le petit écran, de devenir extrêmement connue. Puis c'est une expérience qui a vraiment bouleversé votre vie. Et pas seulement en bien. Après l'image AB Productions, une image assez sulfureuse vous a collé à la peau. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette image aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un d'assez nature, vraiment très spontané. Ça m'a joué beaucoup de tours. Puis j'étais un petit peu, quand Véronica a dit qu'elle était un électron libre, moi, j'étais même pas un électron libre, j'étais un quark, c'est-à-dire à l'intérieur de la structure d'AB Productions. Un quark. C'est encore plus libre que l'électron. Ah oui, d'accord. C'est le niveau au-dessus de l'électron libre.
Donc ils utilisaient cette énergie pour, au service du rôle. On va regarder ce reportage, vous commenterez après, vous nous apporterez d'autres informations. Vous tentez en tout cas de prendre un nouveau départ. C'est le reportage d'Emma Kala et de Mohamed Mahmoudi. Merci Emma. Dans les années 90, on découvrait Mallory Nataf dans la sitcom sucrée Le miel et les abeilles. Là, tu vois, mon bébé d'amour, tu m'as scié. Écoute, Johnny, c'est vrai, ils ont raison. C'est vraiment pas très sympa, tout le monde se moque d'eux. Les nazes, on peut les appeler que les nazes. Écoute, envisageons le problème autrement. Mais très vite, le personnage de la gentille et naïve Lola devient un peu étroit pour la sulfureuse Mallory. En plein succès, elle arrête tout, mais sa carrière est loin d'être lancée. Pendant les années qui ont suivi son départ de la série, Mallory a traversé une phase de dépression, dont elle est sortie grâce à la méditation. En fait, je me suis rendu compte que j'avais été bouffée par le stress et la pression, peut-être un an après, quand la pression a commencé à redescendre. Moi, j'étais dans un état de paranoïa totale, je voyais plus personne, et je restais assise à regarder les nuages, quoi, en gros, pendant des mois. Et donc, je me préparais à la méditation sans le savoir. La méditation, c'est là où démarre le vrai travail sur soi, en fait, réellement. Enfin libre, Mallory n'en fait plus qu'à sa tête. Aujourd'hui chanteuse, elle enregistre un album qu'elle a décidé de produire toute seule. T'es rapide, toi. C'est hyper précieux pour moi, ce truc-là, quoi. Mais vraiment hyper précieux. L'un des premiers désirs que j'ai eu à B, quand j'ai commencé à travailler à B, c'était de chanter. C'était vraiment le premier souhait, quoi. Le premier souhait. Et donc, en fait, tu voulais être célèbre ? Être célèbre... Non, on peut pas dire ça parce que, en fait, j'ai commencé par être mannequin. Voilà, et au bout d'un mois, j'étais sur un plateau de télévision. Mais quand ça s'arrête alors ? Quand le tournage s'arrête ? Voilà, quand tu t'arrêtes d'une série comme ça ? Il y a un prince, enfin un prince, plutôt un crapaud, mais qui est venu me faire un bisou et j'ai fait un bébé, comme dans un petit chou. Voilà, voilà, et c'est là que je me suis réveillée. Voilà. Il m'a ressuscité, Liam. Oh, il m'a fait un électrochoc. Ah, j'étais en train de crever, en fait. Ouais, globalement, j'étais en train de crever, quoi. Ça m'avait tué, ce truc-là. On va courir avec mes copines, on s'est fait une petite dispute. Ah bon ? Oui. Arrêtez de parler. Ah, et t'avais dit qu'il fallait plus qu'elle parle. Bah oui, mais elle va finir sa phrase, puis après, elle va se faire un peu. Oui, et aussi, après... Ils ont longtemps, sa phrase. À mes enfants, je dis c'est des œuvres d'art en mouvement. Alors, je les observe. Et puis j'ai plus rien à faire parce que ça se fait sous mes yeux, voilà. C'est la plus belle œuvre du monde. Qui ? Tout est là. On n'a plus rien cherché, on a tout trouvé. Quoi, maman ? Le bonheur. En plus de la musique, Mallory, l'électron libre a décidé d'apporter son soutien à un projet humanitaire. Elle a rendez-vous avec les responsables de l'opération. L'image que j'avais de toi n'était pas tout à fait le genre de comédienne et de personnage que j'aurais cherché à rencontrer. La jolie petite, la belle plante, quoi. Sympa déjà. Moi, je ne suis pas là ni pour gagner ma vie, ni pour exister. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là en sous-marin pour aider. Comment t'as dit ? Eh ben, de temps en temps, je fais des petits hold-up. Par exemple, la ferme, c'était un petit hold-up, minuscule, mais enfin bon, ça me permet de tenir. Là, je prépare 2-3 petits hold-up, et puis à côté de ça, les hold-up me prennent en général pas beaucoup de temps. La preuve, la ferme, je ne suis restée que 5 jours, ça ne m'a donc pris que 5 jours. C'est formidable, on passe à autre chose. Et les 360 autres jours qu'il me reste, je travaille avec des gens comme Chat ou des gens comme Roland. Les projets vont peut-être être un petit peu compliqués à mettre en place, ça va prendre un petit peu de temps, il n'y a pas d'oseille, mais on s'en tape. Les gens, ils zappent, ils jettent. C'est bien qu'ils zappent et qu'ils jettent. Moi, je préfère m'extraire avant d'être zappé et d'être jeté. Toujours plus agréable. C'était quoi le reste de votre vie à part les tournages, autour des tournages ? Le reste de ma vie, moi j'aime beaucoup danser, donc toutes les nuits, je passais mes nuits à danser, voilà, dans les boîtes de nuit, à Pigalle.
Donc vous enchaînez à Pigalle, c'est-à-dire ? Bah, Pigalle, c'est plus sympa. Voilà. Quand j'avais 17 ans, par contre, j'étais dans les beaux quartiers. Et en fait, le fait d'aller dans le 93 à Saint-Denis, eh ben, je me suis retrouvée à Pigalle assez rapidement. Voilà. Et j'en suis jamais sortie du 93 de la Plaine, puisque j'enregistrais ce que j'ai vu. Pigalle, c'est des images qui sont liées à la... Évidemment que ce n'est pas toujours la vérité, mais à la prostitution, à des choses comme la celle-là. La prostitution, aux gens, au monde aux homos, à l'éclat, voilà, des choses. Une vie peut-être en complet décalage, finalement, avec ce que je montrais de moi à l'image. C'était peut-être une façon de la sorte. Soupape. Voilà. Ouais. Donc vous avez mis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, avant de voir votre personnage de Lola à la télévision. Vous êtes vu ? Six mois après, j'ai réalisé, pour la première fois, une journée de tournage avait été annulée et je me suis retrouvée à faire une activité normale du repassage devant la télé. Vous avez trouvé comment ? J'ai pas compris. J'étais en train de repasser et puis là, la musique a démarré six mois après et je me suis assise et je me suis dit merde, mais je passe vraiment à la télé. Puis moi, je fais ça, je regarde et peut-être qu'il y a des millions de personnes qui font la même chose. Ouais, c'était le cas. Et ça m'a choquée. Je me suis dit merde, mais c'est quoi les conneries que je raconte ? Alors j'ai regardé, j'étais assez consternée en fait. Et je me suis dit... Ça, vous en rendiez pas compte quand vous tourniez ? Non, vous en êtes rendu compte quand vous l'avez vu seulement ? Du tout, du tout. On était juste une équipe, on rigolait, on bouffait, on sortait, on baisait, hein, parce qu'il y avait quand même des histoires. J'espère que vous continuez. Parce voilà. Que non, mais c'était en interne, quoi. Enfin, il se passait plein de trucs, quoi. C'était toujours... C'était très riche, très dense. Alors, quand vous avez arrêté la série, vous dites que vous étiez assez affecté, autant physiquement que moralement, c'est-à-dire que vous aviez du mal à vous retrouver. D'abord, vous êtes cloîtré chez vous ? Oui, je ne sortais plus du tout. Je restais vraiment chez moi. Je ne me déshabillais même plus, moi. Je gardais mon manteau, ma casquette. Et en fait, je... De temps en temps, une douche, non ? De temps en temps ? De temps en temps, mais... Et là, vous avez eu vraiment des vous vous sentez paranoïaque, vous nous avez dit. Alors, on ne sait jamais si c'est une maladie ou si c'est un sentiment de persécution. Ou si c'est plus grave que ça ? Non, mais en fait, on ne se supporte plus soi-même. Je veux dire, je ne pouvais pas être... J'allumais la télévision, j'étais dans la télévision, j'allumais la radio, j'étais dans la radio. C'était partout. J'ai eu par rapport presque plus qu'Hélène, puisqu'Hélène s'est arrêtée. Et moi, c'est la communication qui a duré pendant 25 mois. Et j'étais un peu dans cet état-là où on ne se supporte plus soi-même. Et on se rend compte qu'on a tellement été vidé de sa substance... qu'on n'a plus d'univers, on n'a plus rien à dire. Donc il faut se reconstruire, il faut se retrouver un chemin vertueux, un chemin de construction. Qu'est-ce qui vous a donné un bon déclic, vous ? C'est la méditation. Est-ce que vous avez le sentiment que le premier rôle d'ingénue naïve, un peu délurée, vous a enfermé dans un personnage que vous avez eu du mal à traverser ensuite ? Non, parce que ça, je n'ai pas eu ce problème. J'ai fait beaucoup de choses après. J'ai joué pendant 10 ans au théâtre, pratiquement en continu. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds sur une scène, parce que depuis 2 ans, j'ai décidé que je n'accepterai plus de rôle voilà, juste pour jouer. Voilà, je ne veux plus jouer juste pour jouer, mais pendant 10 ans, j'ai vraiment joué en continu. Ça, vous voulez tenir les rênes de votre vie, quoi. Maintenant, j'ai un univers, j'ai mis très longtemps à le créer. J'ai envie que ce qui sort de moi représente vraiment ce que je suis. Voilà. Parce que ça n'a finalement, jusqu'à présent, jamais été le cas. J'ai été invitée dans l'univers des autres, mais il y a un moment donné, voilà, j'ai envie que... Voilà, d'être vous-même. Ouais. Ouais, voilà. Quel regard vous portez sur le parcours de Mallory, Patrick et Rochelle ? Moi, je vois que c'est... les gens vivent ça vraiment très différemment, peut-être par rapport à quand on a vraiment... on est ancré dans des études, dans des écoles et tout ça, mais quelqu'un qui n'a pas du tout une habitude ou pris des cours ou qui a vraiment une vision sur la comédie, ce que ça veut dire, ce que ça implique, je vois que c'est déstabilisant. Mais pour moi, ça m'étonne de voir qu'elle n'a pas pu avoir une distance par rapport à ce que... Vous saviez qu'elle était enfermée chez elle quand elle avait quitté les plateaux d'Abbé, Mallory ? Non. Sébastien, pourquoi vous êtes parti au bout de 3 ans de la série ? En fait, on m'a proposé, j'ai passé un casting pour une nouvelle série où je jouais un prof de théâtre, donc j'ai arrêté L'année des garçons à ce moment-là, j'ai enchaîné sur un nouveau rôle. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, la différence de personnage, c'est que simplement pour Rochelle, et là je partage son avis, c'est qu'on a une expérience de comédien au départ, donc on sait qu'on incarne un rôle, et ça permet d'avoir une distance, et Mallory exprime son problème. Là, je pense qu'elle se prend le truc en plein fouet parce qu'il n'y a peut-être pas cette distance. Et c'est vrai que moi, je me souviens avoir eu toujours à l'esprit que j'incarnais un rôle. Et heureusement pour moi, parce que Sébastien Delaine et Garçon, c'est pas... Bon, j'avais en plus le problème du prénom qui était le même, mais il y a une distance forcément du travail de comédien. Et ce qui était d'autant plus... Mais tant mieux si vous arrivez à la ressentir et à la vivre, hein, parce que c'est pas facile quand on a ces âges-là non plus. C'est même pas facile plus tard, alors, pour vous dire. Merci, Bastien. En tout cas, Steven, je vais donner la parole à Steven, ancien chanteur du célèbre boys band Alliage. Steven, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, comme Gérald, qui est ici présent...
Vous avez été emporté par le phénomène boys band pendant quelques années. Ça s'est éteint à peu près vers 1999, juste avant l'année 2000. Est-ce que vous étiez fan de ce genre de musique avant de devenir un des membres de boys band? Pour être honnête avec vous, moi je viens de ma petite province à la base, de la région de Nice, avec dans le cœur l'espoir de devenir comédien. Et je plaque tout. J'arrive à Paris et au bout de 15 jours, après avoir trimé, galéré... 15 jours seulement? Comment? Galéré 15 jours? Oui, mais c'était quand même assez grave dans le sens où j'ai connu la rue, la mendicité, etc. Donc c'était des étapes assez douloureuses quand même. Et la première audition que je passe, on me demande si je sais chanter. J'ai un père, en effet, qui est... Je suis enfant de là-bas, là. J'ai un père qui est rocker. Et puis, du côté de maman, les Italiens, tout le monde chante dans la famille. Bon, alors, on n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les plus nuls non plus. Ouais. Et donc, bien évidemment, spontanément, je réponds oui, oui, je me débrouille. On me fait passer une audition sans qu'on me dise pourquoi je passe une audition. Mais tout ça était dans le cadre... Vous avez quel âge ? J'avais 20 ans. Et tout ça était dans le cadre d'une agence de casting pour comédien. Donc, dans ma tête, c'était pour forcément un rôle de chanteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que trois semaines plus tôt, à la télé, je me foutais de la gueule. Des To Be Free, des Worlds Apart, et notamment des G-Squad aussi, parce que c'était pas du tout ni ma culture, ni mes références artistiques et musicaux. Le problème, c'est que j'étais dans une conjoncture sociale et financière qui me permettait pas, à ce moment-là, de refuser du travail. Alors j'ai demandé, à la fin, quand j'ai passé l'audition, qu'on m'a dit que j'étais pris, j'ai demandé pourquoi j'étais pris, c'est là qu'on m'a expliqué, bien évidemment, tout le projet. Et j'ai quand même pris 2 minutes pour réfléchir, j'ai marqué un temps. Première réflexion, je me suis dit, putain, mais si je fais ça, mais tout le monde va se foutre de ma gueule à Ken Sorber. Et à la fin, je me suis dit, puis si après tout, si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Vous avez vécu une expérience extraordinaire ensuite, je pense qu'elle touchera beaucoup Dominique Besnéard d'ici quelques... Mais pour nous mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose de regarder un extrait du clip d'Alliage. C'était un énorme succès à l'époque, oui. On s'en souvient, vous vous en souvenez. Baila a été vendu à 200 000 exemplaires. Vous qui chantez. C'est vous qui chantez. En tout cas, nous, on a pesé des voix. Vous ne savez pas si c'est vraiment la vôtre qui a été retenue ensuite. Il y a un ingé son qui a extrêmement bien fait son travail. Et voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment où j'ai signé, on était en plein mois de juillet. Comme vous le devez le savoir certainement, au mois de juillet-août, à Paris, il n'y a personne. Je sais qu'il y avait une maquette qui existait déjà. Le groupe était déjà formé. Le type qui m'a auditionné en a viré deux pour me prendre, parce que dans mon parcours, au contraire, ça lui plaisait. Il y avait quelque chose qui le touchait, qui lui plaisait. Maniaque, ma volonté, ma soif de réussir, d'avoir tout quitté, d'être monté à Paris. Tout était déjà écrit, programmé. Vous êtes devenu riche, riche et célèbre du jour au lendemain. Vous avez pété les plombs? Comment vous l'avez vécu? Oui, complètement, bien sûr. Ça a changé que du jour au lendemain, tout ce qui était inaccessible est devenu accessible. Et du jour au lendemain aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène qui est aussi important, qu'il faut savoir, c'est que quand tu te démerdes là-dedans, que tu rentres et que tu connais personne, quand tu es riche et célèbre, tu as plein de nouveaux amis qui te disent tous les jours que tu es le plus beau, que tu es le meilleur, que tu es le plus fort. Et ben moi, personnellement, je l'avoue, je le confesse, et ben j'ai fini par croire que j'étais le plus beau, que j'étais le meilleur et que j'étais le plus fort. Vous étiez paumé, déconnecté. Je suis tombé dans le monde de l'illusion. Donc la drogue, l'alcool, tout ça. La drogue, non, parce que j'avais déjà fait mon expérience étant un peu plus jeune avec les pétards et les extas. Mais là, c'était, si tu veux, déjà en tant qu'anglais, du côté de mon père, on est anglais, donc au niveau du whisky et au niveau de la bière, on carburait pas mal. Ce sont des drogues très dangereuses, évidemment, aussi. Voilà, donc terrain glissant et dans lequel, bien évidemment, j'y ai pris l'habitude. Combien de temps vous êtes resté au sommet dans ce groupe? À fond la caisse, vraiment, 2 ans. À quel moment vous avez dit « Salut, je suis Steven Gunnell et je suis une merde » Et à qui vous l'avez dit? Le jour où je me suis présenté, en effet, à la caisse d'allocation familiale pour devenir RMiste. À qui vous avez dit ça? À une dame qui m'a accueilli dans son bureau. Et à ce moment-là, je suis dépressif, je suis alcoolique. Vous avez quel âge? J'ai à peu près 21 ans.
22 ans. Alcoolique, alcoolique, malade alcoolique. Ah ouais, ouais, parce que si tu veux, j'avais pris déjà un rythme de l'alcool mondain qui est, comme Mallory, comme les autres l'expliquaient, tu vois, tous les soirs t'es en boîte, tu fais la fête, etc. Ben effectivement, tous les soirs c'est la fête, en boîte tu te marres, mais c'est dans la démesure, comme la démesure dans tous les excès, avec bien évidemment sexe, drogue, rock'n'roll. Comment vous avez réagi à la caisse d'assurance familiale? Ben, je me demandais quand même si c'était pas une caméra cachée, donc quand elle a vu mon état et elle a vu que j'étais sérieux, elle a pris mon dossier en considération à ce moment-là quand même. Comment vous vous êtes sorti de la tête de l'eau? J'étais donc, il y a un moment donné où en France pour moi c'était plus possible, parce que dans la rue, les gens m'arrêtaient, non pas pour me demander des autographes ou me prendre en photo, mais pour se foutre de ma gueule, pour m'insulter. Et ça a même d'ailleurs suscité quelques bastons, donc j'ai laissé une dent d'ailleurs, mais bref. Donc il y a un moment donné où si il a quelqu'un fallu, l'a trouvé, merci de la rendre. S'il vous plaît, oui, la petite souris, hein, ça sera pas mal. Il y a un moment donné où la France, pour moi, c'était plus possible, donc j'ai préféré fuir, parce qu'en tant qu'alcoolique, c'est comme en tant que drogué. Il y a un moment donné, si tu veux, effectivement, prendre de la drogue, prendre de l'alcool... Ça, c'est une fuite sur place. Ça ne te rend pas plus intelligent ni plus con. Ça te détruit les neurones et ça te rend faible et lâche. Donc, à un moment donné, j'ai préféré fuir mes responsabilités. Alors, la sortie de la tête de l'eau... C'était l'étiquette d'alliage, c'était le surendettement. Comment ça se passait avec les autres, les autres membres du groupe? Le jour où ça a splitté. Donc, moi, je suis parti dans mon coin, à un moment donné. Et donc, j'ai fui en Angleterre, où j'ai essayé de redevenir là-bas le commun des mortels. J'avais oublié, bien évidemment, dans toutes mes valeurs, combien il était difficile de gagner 50 balles de l'heure, de remettre les mains dans la mer pour gagner sa vie, etc. Donc ça a suscité en moi des problèmes psychosomatiques, spasmophilie, agoraphobie, paranoïa, etc. Donc des vertiges, des sentiments de... À un moment donné, j'avais le sentiment de mourir. Tout ça très jeune, en ayant l'impression, alors que votre vie commence, vous êtes tout jeune adulte, ouais, qu'elle est presque terminée déjà? Là, c'est la mort. Donc il y a un moment donné où je pense même au suicide, à un moment donné, parce que surendetté avec une image de boys band où tout le monde se fout de ta gueule. Et... c'est vrai que dit comme ça. Il y a un moment donné où. C'est sûr. Mais c'est bien d'en rire, vous avez raison aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'effectivement. J'en ris spontanément. Enfin, je veux dire, oui, vous avez bien fait, absolument. Donc, mais j'ai eu, comme tout le monde, bien évidemment, le réflexe d'appeler les autres maisons de disques et les autres producteurs. Et il suffisait que je dise, je suis Steven Dalia, je me raccroche au nez. Donc j'ai compris que c'était plus possible. Donc j'ai passé un petit moment à Londres, et il y a un moment donné où là j'ai eu maman au téléphone, ma mère, qui me dit, écoute mon fils, avec ton père on a eu 25 ans, des conneries on en a fait, alors nous on ne juge pas, tu rentres à la maison quand tu veux, on va s'en sortir ensemble. Et là maman me dit, le problème c'est que moi je peux rien faire pour toi. Donc quand ma mère m'a dit ça, il y a un moment donné où j'ai pris la notion et la mesure de sa souffrance à elle en tant que mère pour son fils. Donc elle souffrait plus que moi. Et c'est là que maman me dit cette phrase étrange. Elle me dit, écoute, tu pouvais écouter ta maman une fois en 25 ans. Je lui dis, maman, tout ce que tu voudras. Elle me dit, entre deux crises d'angoisse, mon fils, va faire un tour dans une chapelle. C'est tout. Et ça a commencé comme ça. Et effectivement, un jour, en allant au travail sur High Street Kensington, dans le centre de Londres, en marchant, j'entends les cloches sonner, je rentre dans une chapelle. Et je me dis, après tout, pourquoi pas? Phénomène étrange, assis dans cette chapelle à ce moment-là, ne me posez pas la question pourquoi, comment, ça s'explique pas, ça se vit. Sentiment de grande paix intérieure. Le silence, le calme, la quiétude. Et j'ai décidé d'accueillir cette paix intérieure qui venait de je ne sais pas d'où, et qu'à l'extérieur, cette paix ne m'était pas offerte. Vous étiez avec votre mère, là vous... Non, j'étais tout seul à Londres. Et j'ai cheminé comme ça, progressivement, doucement, un peu plus chaque jour. Et je m'aperçois au bout de 6 mois que dans la chapelle, parfois je m'y endors. Tellement je suis bien et tellement j'y passe du temps, donc c'est la paix. Et c'est dans ce sentiment de plénitude, de bien-être, que je prends la bonne résolution. Allô maman, je rentre. Et là j'arrive à Nice. Donc on va voir le médecin. Bien évidemment la situation physique à ce moment-là est assez grave. Donc on détecte bien évidemment un ulcère, des gastrites, le sang qui est en mauvais état, etc. Donc caché pour dormir, caché pour retrouver l'appétit, caché pour retrouver ceci, retrouver cela. Rien n'y fait. Et puis un jour, maman me dit, écoute, viens avec moi. Je la suis, on arrive à Nice. Maman rentre dans une chapelle, premier réflexe, bien évidemment, je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Elle me dit, moi je rentre, toi tu fais ce que tu veux. Et maman rentre dans la chapelle, et à ce moment-là, où je rentre dans la chapelle, avec maman, maman commence à prier. Elle sort son chapelet, elle commence à prier, simplement. Et là, je me retrouve devant le crucifix, et je médite, ce qu'on appelle donc la passion, la douleur du Christ, et... En méditant sa douleur à lui, c'est la mienne qui est sortie. Et ça s'est transformé par des larmes de consolation, de joie. Et il y a un prêtre qui est venu me voir à ce moment-là, qui m'a mis la main sur les épaules et qui m'a dit, excusez-moi Steven,
Vous vous appelez bien Steven ? Je dis oui. Excusez-moi. Oui, enfin oui, c'est si moi. Si tu es là, frappe trois fois. Ouais. Non, mais j'imagine, c'est une expérience assez étrange. Voilà, et le prêtre, enfin, moi je pose tout de suite, là, spontanément, la question au prêtre. Je dis, mais comment vous me connaissez ? Et c'est là que le prêtre me dit, bah voilà, Steven, ça fait un an que ta maman, elle vient là tous les jours parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour toi et elle prie. Aujourd'hui, je vois un miracle, tu es là. Et là, il y a eu un cheminement spirituel intérieur et puis plus tard, une révélation qui m'a apaisé, m'a donné le sentiment, le don du pardon et qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Aujourd'hui, bah, j'écris des bouquins, j'ai un éditeur, j'ai du travail, j'écris un disque, j'ai des musiciens, il y a des projets. Je suis remonté à Paris, je... Vous êtes en train de faire du prosélytisme religieux, là ? Non, vous êtes en train de raconter votre expérience. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit, ni de convertir qui que ce soit. Je dis tout simplement, voilà moi ce que j'ai vécu, ça marche. C'est à libre de chacun de faire sa propre expérience. Personne n'aura à vivre mon expérience. Comme d'ailleurs, personne ici n'aura à vivre l'expérience de chacun des invités ici. Elles sont singulières, elles sont toutes très fortes, c'est leur point commun. C'est ça. Mais elles sont toutes singulières. Non mais j'ai été très frappé d'ailleurs en commençant cette émission, il y a un écran de contrôle qui me permet de jeter un coup d'œil sur mes invités. Et vous étiez en plein état de recueillement et de méditation, c'était assez frappant. Qu'est-ce que vous en pensez Dominique ? Je connais votre attachement pour la religion. Oui, non mais c'est vrai que c'est, quand on écoute ce parcours, non, il y a une chose qui m'a fait frémir tout à l'heure, quand on dit on était riche et célèbre. Il y a des limites dans la richesse. Je pense que quand on a fait le groupe Alliage pendant, c'était pas... Enfin, je non, connais c'était beaucoup d'argent pour un jeune homme. Beaucoup voilà, d'argent pour un jeune homme, mais ouais. Ce qu'on appelle pas la richesse... non, c'est un parcours. Ce qu'il faut, c'est maintenant retourner vers les autres aussi, parce que je pense qu'il est très sur lui-même maintenant, sur la méditation. Mais il faut aussi maintenant qu'il s'ouvre un peu vers les autres, que ce soit pas seulement... quelque chose d'un peu narcissique. Alors, je me permets de réagir à cette réflexion. Ah, la voix qu'il a. Excusez-moi. Steven, j'ai appris Steven. Non, non, mais... Enfin, oui, c'est... Non, mais ça vient de l'intérieur. Ouais. Je suis désolé. Pas de problème. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'au contraire, ça m'a apporté tout le contraire. Ça m'a permis, au contraire, de revenir à Paris, d'accepter ce que j'étais. Et de vous ouvrir à ce que j'avais vécu, et au contraire, de m'ouvrir aux autres. Tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Steven, Gérald ? Quel âge vous avez, Gérald, aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans. 26 ans. Mais je pense que chacun d'entre nous, je peux le comprendre peut-être mieux que quiconque ici, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Oui, vous êtes croisés sur des plateaux, j'imagine. On s'est croisés, bien évidemment, on s'est détestés, on s'est aimés. Enfin bon, il y a eu plein de... Bah, c'était l'époque. Mais disons qu'il n'y a pas de jugement à porter. Je pense qu'il l'a vécu, il l'a ressenti à sa façon, à sa manière, et après, à lui de vivre sa vie avec son ressenti par rapport... Parce que forcément, cette histoire a eu un impact sur tout le monde. Et chacun l'a vécu et l'a somatisé à sa façon. Vous l'avez traversé cette période-là ? Vous étiez heureux pendant cette période ? Moi, j'ai eu des moments où j'étais extrêmement heureux et des moments où j'étais moins heureux. Qu'est-ce que vous compreniez, ce qui vous arrivait à l'âge de 16 ans ? À l'âge de 16 ans, pas grand-chose. Je vivais mon rêve de gosse, un rêve d'ado. Enfin, c'était pas mon rêve. Disons que, comme tous les ados... C'était un rêve d'ado. C'est un rêve d'ado. Voilà, on regarde les Texas ou les New Kids on the Block à la télé, on se dit, ah, ce serait génial si je pouvais faire un truc comme ça. Mais voilà, c'était ça nos références. Ouais. Donc, forcément, lorsqu'on ça devient concret pour nous et qu'on le vit, qu'on l'est dans le réel et qu'on est effectivement sur une scène et qu'on a 5 ou 10 000 personnes en face de soi, ben on se dit, ouais, chouette, c'est génial. Voilà. Et puis, on réfléchit pas plus que ça. Après. Et le fait de devenir un sexe symbole, c'était agréable ? Oui, c'était marrant, mais encore une fois, on intellectualise, on subit ça. Plus qu'on... Mais même pas subir, on vit ça d'une manière légère. Ça veut dire que j'avais le même âge que mes fans, en fait. Ça veut dire qu'elles étaient dans le public, elles rêvaient, et moi, je les faisais rêver. Et c'était un petit jeu comme ça entre nous, et c'était super simple et sain, en plus. Parce que les messages délivrés étaient... Simples. Voilà, simples, mais... Aimons-nous les uns les autres, en gros. Oui, mais à la limite, peu importe la structure. Je veux dire, tant que le message est propre, en fait. Ça fait 10 ans que vous n'êtes plus un G-Squad. Vous tentez aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène avec une toute autre image. Alors, vous êtes animateur sur Pink TV. Mmh. Vous sortez un disque en solo. Mmh. Est-ce que vous parviendrez à faire oublier votre passé de boys band ? Mais je n'ai pas à le faire oublier, justement. Vous faites avec ? Mais encore heureux. Mais ça, je crois que c'est un problème très français. Ça veut dire que pourquoi je devrais avoir honte d'avoir fait partie d'un boys band ? Vous ne vous mettez pas en... Non, mais c'est ça. Non, mais je comprends que ça vous énerve, mais il ne faut pas... Non, absolument pas. Je suis super zen et super content. Non, mais au contraire, c'est ça qui est génial. Ça veut dire que si on prend le cas des boys band anglo-saxons ou américains, il y a des gars qui sont sortis de ces Robbie Williams. Ou même Justin Timberlake, d'ailleurs. Mm. Ça veut dire que c'est... Voilà, considérons que ça a été une école où on a grandi. Et voilà, donc il n'y a pas à oublier. C'est pas une
étiquette malsaine. Je suis d'accord sur le principe, on se construit en continuité. Exactement. Même s'il y a des virages et pas en rupture, en tout cas. Il y a des points de rupture. Évidemment. C'est un reportage d'Aude Pavani et d'Olivier Dorin. Merci. À l'époque, toi, les Boys Men, c'est pas quelque chose qui t'a marqué forcément. Moi, c'est plutôt chanson française, mais un peu engagée, quoi. Tu vois, donc, je savais pas du tout qui t'étais. Mais ceux qui te connaissent, enfin, qui te connaissaient avant, je sais pas, ils avaient quel âge. J'avais 16 ans, mes fans en avaient entre 13 et 17, donc on était dans la même génération. Surtout les féminines, quoi. Ah, c'est clair. J-Quad, j'avais jamais entendu parler, donc j'aurais pas pu être fan de lui, quand même. Quelque part. Je suis redingue de toi, redingue car tu vois, c'est la première fois pour moi. Souvenez-vous, c'était en 1996, en plein phénomène boys band. Les J-Squad étaient propulsés sur le devant de la scène. Avec ses trois acolytes, Gérald se déhanche sur des chansons pour le moins aseptisées, pour le plus grand plaisir des midinettes. Les tubes « Aucune fille au monde » et « Redingue de toi » caracolent en tête des hit-parades. Dix ans plus tard, c'est un autre Gérald que nous découvrons. Loin des paillettes et du star system, il a décidé de prendre son temps pour développer ses talents d'artiste. Un changement de cap qui n'est pas pour déplaire à sa sœur, Élise a mal vécu la période G-Squad. Ah voilà les nouveaux trucs. Alors, t'inspires quoi ? Non, c'est bien, je vois que t'avances bien, ça progresse, comme on dit. Non, c'est clair. Et là, t'en as des nouvelles en cours ? Je vais livrer celle-ci à la galerie tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, c'est plus calme, tout ça. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sans comparaison. C'est moins mouvementé. Quand le groupe s'est créé, quand il est sorti, quoi. Mm-hmm. T'étais quand même un ado, t'as été un peu un pantin. Bien sûr. Pour des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de scrupules, ouais. D'ailleurs. Il y a eu le bon et le mauvais côté des choses. Enfin, t'étais entré dans un engrenage où toi-même, tu n'étais plus bien. Ouais. Tous les boys bands et les garçons qui sont entrés dans ce milieu-là, un jour ou l'autre, ils ont touché à une drogue ou quoi que ce soit. Excuse-moi, mais t'étais un peu exécrable à l'époque. C'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis heureuse que tu en aies fini avec ce milieu. J'espère qu'après ça, t'en auras tiré des conséquences et une expérience. Je saurais naturellement me protéger. Que tu puisses retomber dans ce star system, ça me fait peur. C'est-à-dire que naturellement, je vais t'encourager plutôt à faire de la peinture, parce que la peinture, c'est quand même pas le même milieu que la chanson et tout ça. Maintenant, je te vois bien dans ta peau, je te vois mieux, je sens que tu fais des choses vraies, comme on dit, et voilà quoi, c'est plus de la rigolade, c'est plus genre, voilà, je vais faire le guignol sur la scène pour... Ça, pour moi, ça a du sens, quoi. La peinture est devenue bien plus qu'un passe-temps pour Gérald. Il prépare une exposition pour le mois de juin. Un vrai défi, puisque toutes les toiles sont loin d'être prêtes. Non, mais tu vois, quand tu rajoutes de la matière, tu vois, quand tu forces le trait, c'est bon, quoi. Et puis les traces du précédent, c'est superbe, ça. Voilà, ça s'expose. Quoi, t'es bon, là. Là, t'es bon. Là, j'ai pas honte de t'exposer. C'est cool. Tu verras, le public va comprendre qu'il y a une démarche artistique. On verra, de toute façon, c'est pour bientôt. Hein. Donc, Bosse, mon vieux, faut que tu bosses. Là, j'arrête pas. J'arrête pas. C'est sa peinture que j'accroche, c'est pas lui, hein, parce que je mets pas sa photo à côté, hein, de toute façon. Moi, Gérald, je m'en fous. C'est vrai, c'est bien, c'est sincère. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans la musique ou dans la peinture, m'ont connu après l'époque G-Squad. Et il n'y a pas d'étiquette, et ça c'est génial. C'est le Gérald d'aujourd'hui qui m'intéresse, parce que le Gérald d'hier, ni je ne le connaissais, ni il ne m'aurait intéressé de toute façon. L'époque de G-Squad, je contrôlais rien. Mes émotions d'artiste n'étaient pas matérialisées. L'artiste qui dorme en moi, finalement, a grandi et s'est développé après la période G-Squad. Maintenant, savoir si les gens vont apprécier mon travail d'artiste, c'est ça la vraie question. Il est courant dans la musique électro que la French Touch séduise nos cousins anglo-saxons bien avant nous. Un artiste multifacette, c'est ainsi que Gérald se définit, car la peinture ne lui suffit pas. L'an dernier, il présentait une chronique sur la chaîne Pink TV, et surtout, il n'en a pas fini avec la musique. Voici le clip de son dernier single, bien loin des chorégraphies façon boys band. Fini donc les émissions et les magazines pour adolescentes. Désormais, Gérald s'occupe seul de son image. Et depuis quelques années, il revendique haut et fort son homosexualité.
problème, un des problèmes quand même en space, c'est qu'on te colle facilement des étiquettes. Et quand j'ai décidé de dire que j'étais gay, mais c'était même pas de le dire pour le dire, c'était j'avais envie de faire une chanson d'amour en disant j'aime un garçon. J'aime les hommes, ouais. Voilà, et j'aime un garçon simplement, donc j'ai voulu faire ça. Et on m'a dit, mais attends, tu te colles déjà une étiquette de boys band, et en plus de ça, tu vas rajouter un truc, genre tu dis que t'es gay, mais tu veux vraiment t'écraser et tout ça. Et c'est. Je trouve ça ridicule, quoi. Une mentalité. Ouais, mais quelque part aujourd'hui, ça t'a peut-être desservi aussi. Si j'avais sorti un disque aujourd'hui dans une logique en me disant il faut absolument que ça marche, donc je vais respecter tous les codes supramarketing en disant je vais faire ça, je vais m'inventer une copine ou je ne sais quoi, forcément, ça aurait peut-être marché. Mais là, je ne suis plus dans cette logique-là. Avoir le succès pour le succès, je m'en contrefous. Maintenant, si ce n'est pas ce disque-là, ce sera un prochain. Ça verra bien. Oui, c'est. Vous revenez de loin, vous aussi, hein. Vous revenez de loin. Ouais, je descends comme ça. Sur certains points, oui. Non, mais rien que physiquement, en termes de santé et tout ça. Vous... Oui, parce que c'est vrai que c'est très déstabilisant d'avoir cette envolée très médiatique. Tout va très très vite. On contrôle rien, on passe sa vie. Et Steven peut le savoir aussi bien que moi. On passe sa vie dans les avions. On ne maîtrise pas grand-chose du système, du disque en lui-même. C'est-à-dire qu'on est projeté comme ça. Donc, Puis à un moment, ça s'est arrêté, ce qu'on a évoqué avec Steven. Mais avant ça, vous êtes parti. Vous souhaitez faire une carrière solo ou... Alors, voilà, moi, c'est-à-dire que vous êtes devenu insupportable à cette époque, c'est ça? J'étais un vrai con. Je pensais que. Ce qu'il dit votre sœur très bien d'ailleurs, mais vous l'écoutez d'ailleurs, moi je trouve ça très bien que vous arrivez à en discuter non, aujourd'hui. Non, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi tirer des leçons de ces expériences passées. C'est-à-dire, oui, j'étais un petit con parce qu'on m'avait. Ce que tout le monde finalement a dit ce soir, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un ado d'avoir les moyens de sa politique. Ça veut dire de dire voilà, je veux ça, je fais ça, et tout le monde a couru. Parce que, voilà, quand on ne comprend pas encore à cet âge-là qu'on est pris entre le système télévision, radio, presse, et qu'on est un outil qui tourne. Mais il n'y a plus de garde-fous. Et il n'y a plus de garde-fous. Donc tant qu'on fait et qu'on avance dans la bonne route, à ce moment-là, tout est permis. Donc il faut quand même qu'on pense à la responsabilité de tous ceux qui lancent des jeunes gens sur le métier. Je pense qu'à un moment donné, c'est votre rôle, comme le rôle des gens de radio. Et parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, surtout avec la crise du disque telle qu'elle est aujourd'hui, on sait très bien que lorsqu'on lance un projet, un produit, il faut d'abord que des contrats au préalable soient établis entre les grosses radios, les médias contrôles, les télévisions et la télévision. Voilà, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et avant de faire une carrière, c'est pas parce qu'on a connu un grand succès qu'on pourra faire une carrière. On est bien d'accord. Donc à seulement 21 ans, vous êtes passé tout près du non-retour, vous avez fait une tentative de suicide extrêmement grave. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à un moment donné... Qui? En fait, je suis parti. En fait, techniquement, c'est ma femme de ménage qui m'a sauvé parce qu'elle a ouvert la porte, elle a vu une mare de sang, elle se dit, il y a un truc qui ne va pas là. Vous étiez coupé les veines? Ouais, je m'étais ouvert les veines, enfin, j'étais devenu un peu fou. Et elle a réussi à ouvrir la porte. Bon, j'ai passé 2-3 jours à l'hôpital. Après, forcément, c'est l'addition, le fisc et tout ce qui va avec l'alcool, la drogue. Enfin bref, c'est une espèce de montagne comme ça qui nous tombe sur le coin du bec. Et à un moment, je dis, vous me faites chier, je me barre. Et ciao, je prends ma gratte, je plante tout, ma baraque et tout ce qui allait. Allez tous vous faire foutre, passez-moi l'expression. Et je me suis barré en Espagne et là, je suis tombé amoureux d'un gars. Et puis voilà, j'ai vécu pendant quelques mois comme ça en Espagne. Vous saviez homosexuel avant cela, pendant toute la période des bandes? Je ne me suis pas posé la question. En plus, à 16 ans, pendant toute la période des boys bands, vous étiez... On ne sait pas trop à cet âge-là. Je pense que ce n'est pas une histoire de boys band ou pas boys band. Non, mais pendant cette période-là où les filles étaient comme ça, etc. Oui, mais forcément, je me suis amusé avec des filles également, mais j'étais un peu sur les deux. Enfin, pour moi, c'était un détail. Et... Non, mais sincèrement... Du moment que vous le vivez bien, c'est principal. Non, mais c'est vrai, mais il n'y a même pas à stigmatiser ce genre de truc. Non. Donc, voilà. Et après l'Espagne, je suis parti aux États-Unis. Puis quand le fisc m'emmerdait, il me faisait chier, j'ai dit, écoutez les gars, et à un moment donné, il y a ça, vous prenez ça, il n'y a rien d'autre. Si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Et moi j'ai pris un avion, je me suis cassé au State et j'étais chez moi. Et puis voilà. Ça, vous aviez acheté une maison, vous l'avez donné? Non, je l'ai loué encore, ah ouais. Ça aurait été trop marrant. D'accord. Quelle leçon vous tirez de toutes ces expériences? J'ai pas appris la musique, j'ai appris le show business et les rouages du métier en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai une vraie sérénité par rapport à tous les projets que je vais entreprendre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans un cadre. Je regarde parce qu'il ressemble à un Bouddha un peu. Un Bouddha? Non, mais c'est positif. Je vais dire ça très positivement. C'est la sérénité. Non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on. Je crois que c'est comme pour tous, c'est quand on sait comment ça fonctionne, on n'est pas pressé. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, la célébrité pour la célébrité ne sert vraiment à rien. C'est ridicule. Voilà, donc
Là, en l'occurrence, j'ai un vrai rendez-vous qui est mon exposition au mois de juillet. Donc là, ça va trouver un moyen d'expression personnelle. Mais de toute façon, l'art, par définition, c'est la façon de matérialiser ses émotions. Donc ça passe par la musique, la peinture ou toute forme d'expression. Voilà, donc il s'avère qu'aujourd'hui, c'est la peinture, parce que j'ai toujours peint depuis toujours. Et voilà, et après, c'est la musique, parce qu'une peinture m'inspire une chanson ou un écrit. Voilà, donc j'ai de la vraie tranquillité. Bah, bonne chance, en tout cas. Bonne chance pour la suite. Vous voulez dire autre chose? Oui, exactement. Parce que, en fait, c'est très important. C'est que je voudrais que chacun fasse un petit tour sur Internet, sur un site qui s'appelle soleildart.skyblog.com. C'est une association, parce que j'ai tourné une émission au Togo, en Afrique. On a pris 35 gamins sous notre coupe. Et on les aide simplement à grandir. Seulement, ça passe par des campagnes de vaccination, de scolarisation et tout ça. Et je pense que tous autant qu'on est, on a tous eu finalement beaucoup de chance dans nos vies, même malgré deux, trois petits tracas. Et donc là, en l'occurrence… Recevoir et donner en retour, c'est ça ? Voilà, c'est un minimum, je pense. Et puis Claudie est également parmi nous. Alors peut-être que ce prénom ne vous dit pas grand-chose, mais sa voix est inoubliable. Son tube nous a transportés, il nous trotte encore parfois dans la tête. Regardez. Un succès énorme, c'est 2 millions d'exemplaires, c'est… Alors, Désirless ou Claudie ? Comme tu veux. Pas de problème. Pas de problème, alors on y va pour Désirless, c'est le nom avec lequel tu es le plus connu en tout cas. Oui, 2 millions d'exemplaires, mais aussi des années de tournée avec une seule chanson, puis John ensuite, et puis un album. Mais cette chanson, ça a été une aventure pendant tout un morceau de vie pratiquement. Oui, ça l'est encore d'ailleurs, ça continue toujours un petit peu. De quelle façon? En fait, j'ai eu la chance que cette chanson me tombe dessus et on s'est trouvés et puis on fait encore quelques petits kilomètres ensemble. Oui, qu'est-ce qu'elle véhicule comme valeur, cette chanson dans laquelle tu te retrouves? Elle véhicule quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'amour, la tolérance, le détachement. Voilà. C'est la dernière chanson hippie, oui, pour moi, oui. Vraiment, j'adore cette chanson, mais c'est vrai. Et j'ai toujours considéré que c'était la dernière chanson hippie qui a existé. Dans son message ? Dans ce qu'elle raconte, absolument. Après le carton, tu as décidé de faire une pause, de prendre de la distance par rapport au métier. Oui, je suis partie en fait. Juste quand l'album est sorti, je suis partie parce que je me sentais plus bien dans mes pompes. Qu'est-ce qui était trop dur ? Je ne sais pas si c'était trop dur, c'est que je me levais le matin avec plus l'envie d'aller chanter parce qu'il y avait des choses qui m'empêchait d'avoir envie de chanter, en fait. Mais quoi ? Je sais pas, j'aime bien être libre, j'aime bien ne pas avoir à entendre des choses qui me font pas plaisir. J'aime bien pas me poser de questions. J'aime bien que les gens avec qui je travaille se sentent libres aussi, et c'était plus le cas. Donc, comment on continue après comment on reprend après un succès aussi faramineux que celui-ci, que les gens ne peuvent pas oublier ? Alors, il y a eu ce rebond avec John, qui était une chanson qui a connu un grand succès aussi. Et puis, il y a eu l'après. Tu es restée musicienne et chanteuse. Comment tu fais pour vivre de ton métier aujourd'hui ? J'en vis pas très, très bien, mais j'en vis quand même très, très heureusement, en tout cas. De quelle façon ? C'est-à-dire que mon compte en banque est petit, mais mon cœur est plein. Où est-ce que tu te produis ? Où est-ce que tu te produis ? Je me produis là où on veut bien de moi, c'est-à-dire même de nulle part. Là, par exemple, Mick est avec sa guitare, si on veut. On peut vous chanter un petit refrain. Chante dans les chapelles, ça dépend. Chante dans des cafés-concerts, chante sur des grosses salles quand on m'accueille dans des grandes salles. Voilà. Et tu vis en retrait de la capitale que tu as chanté ? Je vis à la campagne depuis longtemps, mais je n'ai jamais aimé la ville. J'ai besoin d'espace. Dans quel coin ? Dans la Drôme. D'accord. Allons-y pour le petit refrain, moi, bien sûr. Je sais pas si on va entendre parce qu'il a un tout petit implé, je vais le mettre sur mes genoux. Il voilà, faudra un deuxième micro. Bon, donc c'est Mick qui est à côté de moi, avec qui je travaille depuis… Allez, salut Mick. C'était si bon, ce petit bisou, quand ma joue gauche a effleuré ta joue, ta barbe douce, c'était comme… de la mousse, ça m'a fait frissonner
Quand j'ai senti ta bouche. Un petit couplet. Oui, te voilà ma la casquette qui trimballe sa guitare au bon gré du hasard. Toi qui ne dis jamais rien, ou si peu et c'est bien, quand on a ton regard. Ça me fait des trucs dans la tête, je n'ose pas, je me sens bête, je suis toute chose. Quand tu joues les yeux fermés, que tu me fais valser, je ne veux plus m'arrêter. Belle chanson d'amour. Bravo. C'était... Bravo, très jolie voix. Demandez à Gérald Blanc de venir nous rejoindre sur ce plateau. Gérald Blanc, s'il vous plaît. Bonsoir Gérard, ça fait quelques années. Alors moi, je vous ai découvert, c'est ma génération, en tant que Martin Circus, et ensuite je vous ai rencontré à l'époque d'une autre histoire, quand je travaillais à Europe 1, je vous ai reçu à la radio, puis ensuite en tant que producteur sur les plateaux, avec le deuxième retour. Ouais. Alors vous êtes chanteur, Gérard, musicien, vous avez commencé donc dans un groupe qui s'appelait Martin Circus au début des années 70, qui a connu un certain nombre de tubes, dont le plus célèbre est sans doute Marilène. Bien sûr, parce que ça fait partie de ma vie. Moi, je dirais que contrairement à tout ce que j'ai entendu ce soir, je n'ai rien subi. C'est-à-dire que finalement, quand j'ai eu 14 ans, j'ai pris une guitare, j'ai eu envie d'en jouer, j'ai rencontré des copains qui, comme moi, avaient envie de le faire. Tout de suite après, je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir un public devant moi comme ça et de les voir sauter comme des kangourous. Et c'est tu l'as fait, tu l'as vécu. Voilà, et c'est ça que j'avais envie de faire. Tu avais quel âge au moment du grand succès de Marilène? Quand Je m'éclate au Sénégal est sorti, qui a été le premier grand succès du groupe, j'avais 19 ans. C'est jamais. Et donc, on est devenu le groupe français numéro un. Et sur cet élan, après, il y a eu la Révolution française, il y a eu Marilène, il y a eu plein de tubes, il y a eu énormément de concerts, de tournées. Ça a duré 12 ans. À fond la caisse, jusqu'à l'aube des années 80. Où là, tout d'un coup, les pattes d'eff... C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'entendais les garçons qui ont fait partie de Boys Band... Steven et Gérald. Oui, ouais. je me suis rendu compte qu'ils avaient subi, c'était des castings, donc c'était pas vraiment peut-être des amis qui s'étaient trouvés eux-mêmes. Ouais, c'était pas né au milieu d'eux. D'accord. Voilà. Alors vous étiez une bande de copains. Oui, on était heureux, on faisait notre truc, on faisait de la musique, et de temps en temps... Il y avait des grands hits, mais peu importe que ce soit des grands hits ou pas des grands hits, nous on vivait notre truc et on vivait une expérience, c'était un happening permanent. Alors comment s'est passée la sortie des années 70 quand tu t'es senti démodé, qu'on te l'a bien fait sentir? Alors à l'aube des années 80, il y a téléphone qui est arrivé et ouais. Martin Circus est mort d'un coup de téléphone, tu vois, quelque part. Donc voilà. Il fallait passer à autre chose, jusqu'en 86 oui, et fait... attention, ouais. Énorme succès. C'est toi qui l'as composé cette chanson? Ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, pendant 12 ans, 15 ans, j'avais vécu pour ce groupe, avec ce groupe, à l'intérieur de ce groupe. Et tout d'un coup, j'avais 30 ans et j'avais envie d'écrire des choses, comme je te le disais, plus personnelles. Donc je me suis mis derrière mon piano, derrière ma guitare, dans mon petit studio, et j'ai commencé à écrire des choses et à me dire, mais ces chansons-là, elles ne sont pas pour le groupe. Mais comment c'était tu l'as vécu, cette première période de traversée du désert? C'était difficile, même à vivre au quotidien. Alors, tu avais de quoi vivre? Alors au quotidien, je l'ai vécu très mal. Pourquoi? Parce que même si le groupe a eu énormément de succès, on était cinq. Donc la fortune générée par ce groupe à cinq, finalement, divisée par cinq, c'était simplement très très bien. Donc effectivement, quand les années 80 sont arrivées, au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à tirer la langue énormément et à me poser des tas de questions. Mais alors en même temps,
c'est comme si j'avais eu un couteau dans les reins. Ouais, t'avais la rage. J'avais la rage. Et le fait de me retrouver sale, ça m'a donné envie de faire des rythmes, de faire des mélodies, d'écrire des textes. Donc j'arrêtais pas, j'étais très prolixe. Et puis ce succès est arrivé. Ce succès est énorme. Un clip qui a marqué tout le monde, une histoire dans laquelle tout le monde se retrouvait. On commence une autre histoire, on démarre une autre histoire. Ah bah ouais, une autre histoire, ouais, c'est super. Ma vie, c'est Est-ce que t'as pu digérer les leçons de la première sortie? Pas vraiment. Ce que j'ai digéré, c'est j'ai mieux compris à ce moment-là comment fonctionnaient les médias et les maisons de disques. Bon, ça c'est une chose. Mais par contre, me retrouver face au public de nouveau et voir les yeux qui brillent quand je chantais mes deux, mes trois, mes quatre, mes cinq tubes que je venais de créer entre 87 et 91, ça... De toute façon, on ne s'habitue pas et c'est comme quand on a 14 ans. Hein. Ça change. Donc, tu as baissé ta garde, tu as fait des erreurs à ce moment-là? Bah oui, c'est-à-dire que j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que j'ai fait trois albums qui ont superbement bien marché. J'ai été sept fois dans le top 50 jusqu'en 93. Et puis, à ce moment-là, et puis j'ai fait beaucoup de concerts, quoi, tu vois, mais vraiment énormément de concerts. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait un quatrième album qui est carrément passé à côté, mais alors carrément. Des médias, donc du public. Donc des concerts. il était trop rock, c'était un album un peu pessimiste, je sais pas, je suis dans une période un peu glauque peut-être. Plutôt qu'une autre histoire, c'est une chanson qui était pleine de valeurs positives. Donc je suis passé complètement à côté, je suis tombé dans un trou vers 93-94, et là ça s'est très très mal passé, quoi, parce que je faisais des trucs, j'écoutais, et je me disais mais... C'est pas moi, je n'y arrive pas, je cherche quelque chose qui n'est pas moi, quoi. Je n'y arrive pas, j'étais pas en phase avec moi-même. D'ailleurs, je me regardais dans la glace et je ne me reconnaissais plus. Ah bon? Ah ouais, c'était à ce point-là. J'étais, tu vois, comme décalé. Et toute cette période un peu glauque, je dirais même très glauque, a duré jusqu'à l'aube des années 2000. Et là, il y a un phénomène. Le retour des années 80. Le retour des années 70 et des années 80. Wow. Parce que autant, bingo. Voilà, bingo. C'est-à-dire double take. Parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, autant les années 70 et Martin Circus étaient complètement, mais alors complètement has-been dans les années 80, et même dans les années 90, autant tout d'un coup, tout ce qui était psychédélique, tout ce qui était les années 70, cette période magnifique et généreuse, tout d'un coup, ça redevenait à la mode. Parce que ça a tellement manqué au début des années 2000. Gérard, ça n'a duré qu'un temps, ça aussi. Oui, mais si tu veux, ce que ça a donné, c'est que tout d'un coup, on m'a redemandé de faire des concerts. Et puis, on m'a invité sur des plateaux de télé, comme ici. Pas comme ici, mais dans des émissions où je chantais, où j'allais chanter une autre histoire, où j'allais chanter Du soleil dans la nuit, Je m'éclate au Sénégal, Marie-Hélène. D'ailleurs, les gens m'ont revu et j'ai refait des concerts. Et tout d'un coup, j'ai retiré sur le fil, comme ça. J'ai tiré sur le fil 2002, 2003, 2004. Et puis, en 2005, il y a eu carrément une trentaine de beaux concerts. Mais de beaux concerts, qui étaient des fois des concerts dans des petites salles, et puis des fois où j'avais le bonheur de chanter dans des plein air, etc. Et là, l'idée, ça a été... Les gens chantaient tellement avec moi toutes ces chansons, parce que finalement, il y avait trois générations. Il y avait des gens, de 50 balais. Venez en famille. Et puis, ils avaient des mômes sur les bras. Et puis, et puis il y avait des filles qui avaient 30 ans et qui me disaient, mais moi, quand j'étais au lycée, mon premier petit ami, mon premier baiser sur la bouche, je l'ai chanté sur une autre histoire. Donc maintenant, tu es hors mode. C'est-à-dire que tu n'es plus démodé parce que tu es hors mode. Ouais, il y a un peu ça. Et donc, on a eu l'idée de tourner ce DVD. Qu'on a aperçu. Sur les concerts de 2005. Disons que c'est un troisième cycle qui démarre pour moi. Et on va voir parce que pour appuyer la sortie de ce DVD, je vais faire deux semaines à Paris. Au Sentier des Halles. Une salle au Sentier des Halles jusqu'au 8 avril. Je suis tous les soirs au Sentier des Halles dans une version acoustique où je reprends toutes les chansons. Super. Bonne chance. Ça sert toujours. Hein. Merci. Alors... Sophie, que j'ai bien connue en 98, on s'est rencontrés à l'époque où tu as été nommée Miss France. Quel souvenir tu gardes de tes premiers jours de Miss? Ah ben, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était un peu ça. J'ai eu du mal à réagir sur le coup parce que j'étais pas préparée à gagner le concours. Parce que c'était pas un rêve de petite fille et que c'était vraiment... Tu avais été inscrite par quelqu'un d'autre, voilà, à Miss Lorraine. C'était un concours de circonstances. Donc du coup, au début, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. En fait. Mais tu l'as pris comme un jeu?
Je crois que j'ai pris au jour le jour ce qui m'arrivait parce que, en fait, je faisais des études audiovisuelles, j'étais en licence, il fallait que je valide ma licence et je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de trouver rapidement un stage, de voir ce que c'était que le métier de la télévision et de, voilà, d'y aller. Quoi, en fait. Donc en observant avec la répartie que tu avais eue avec Jean-Pierre Foucault sur TF1, oui, en disant que tu voudrais bien prendre sa place, etc., tout ça, ce culot était tout à fait sympathique et ça t'a permis donc de faire ton année de Miss France, parce que là on la connaît, hein, la carrière d'une Miss France c'est un an. Ouais. Ça, c'est au moment où on signe, on sait. Je savais que ça durait qu'un an. On vit pleinement. Mmh. Et puis après, tu rentrais à TF1, ambassadrice, téléfoot. Oui. Il n'y a pas photo. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je continue en fait à faire de la télévision. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai appris le métier parce que ce n'était pas évident pour moi du jour au lendemain, comme je restais vraiment pour nous tous, fac. C'est du jour au lendemain. Un jour ou l'autre, ça a été pour nous tous, oui, du jour au lendemain. Oui, mais en fait, j'étais encore vraiment dans ma Lorraine. Je faisais mes études, je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais pas ce milieu-là. Je suis arrivée, j'étais toute seule, j'ai quitté ma famille, mes amis, et moi qui suis proche d'eux, c'était pas tout de suite évident. Donc, j'ai su rebondir petit à petit et apprendre aussi, prendre plus d'expérience, apprendre le métier. Apprendre plus, un peu plus dans l'ombre que TF1, qui est la pleine lumière. Oui, exactement. Avoir plus de temps et faire quelque chose qui te plaît plus aussi. Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui, j'ai la chance de présenter prochainement une émission qui s'appelle Sophie.club sur la chaîne Equidia, où vraiment, je contacte là ma passion depuis toujours, qui est le cheval. Ah là, ouais. C'est son dada. Exactement. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment ridicule. Non, après. En plus, c'est une émission qui s'adresse aux enfants, donc en plus, je viens d'être jeune maman, donc c'est merveilleux. Comment ça se gère maintenant ? Comment tu te projettes dans l'avenir ? Qu'est-ce que tu espères ? Comment je me projette dans l'avenir ? J'espère que ça va durer très longtemps. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'ai su faire des choix et refuser certaines émissions qui pouvaient être vraiment éphémères. On pouvait m'utiliser que pour le côté Miss France, la plastique et tout ça. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, que je vais pouvoir avoir la chance de faire un choix jusqu'à la fin. Plus lent, mais plus longtemps. Plus loin, plus longtemps. Et surtout parce que j'ai aussi le luxe de refuser certaines émissions, parce que on parle tous aussi, on a eu des problèmes d'argent. Pour l'instant, ça se passe bien et je peux me permettre encore de refuser. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, de faire des choix qui me plaisent, de ne pas avoir à regretter ce que j'ai fait. Puis la vie personnelle, d'après ce que je sais, dans les journaux, ça se passe bien aussi. Voilà, et plus, ça, c'est important pour son écriture. C'est important, ouais. Effectivement, d'avoir l'équilibre des deux côtés. J'imagine qu'on doit te poser la question régulièrement de savoir est-ce que c'est à conseiller de devenir Miss pour essayer de faire carrière ou est-ce que c'est une expérience qui reste quand même dangereuse dans laquelle on peut se perdre ? À l'époque, non, on ne m'a pas conseillé d'être Miss pour devenir célèbre parce que je pense que c'est vraiment mon époque qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire derrière. Et donc à l'époque, je ne mesurais pas ce qui pouvait arriver par la suite. Et quel conseil, toi, tu donnes à ceux qui t'en demandent ? Oh, ben, je ne me permettrai pas vraiment de leur en donner. Mais aux filles qui veulent être Miss France, par exemple. De savoir ce... Non, je ne sais pas, ça dépend ce qu'elles veulent faire conseiller par la suite. On m'a pas conseillé. Non, mais c'est à conseiller, est-ce que tu le conseilles, toi ? D'essayer personnellement, moi, je suis ravie aujourd'hui. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de très sain, même si tous les jours, ça a été assez difficile à vivre parce que c'était énormément de travail. Ah oui, au quotidien, il faut les faire. Toutes les foires et compagnie. Je voulais savoir, tu peux me conseiller de me présenter encore C'était un petit peu trop tard, maintenant. Ouais. Dommage, ouais. Désolée. Mister Univers. C'était une année intense, tu as appris plein de choses, il faut faire attention de ne pas s'y perdre. Mais et puis bravo pour le chouette. Rebond. Oui, vraiment, oui, c'était très bien. Merci Sophie. Thierry Desmessens, où est-ce que vous êtes Thierry ? Thierry est journaliste. Ah, c'est vous Thierry. Thierry, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes intéressé à la célébrité soudaine et à l'après-célébrité. Et vous avez publié un bouquin qui s'appelle Célèbre aujourd'hui. Ils le sont, ils l'ont été, veulent le devenir. Qui sont-ils ? Qu'est-ce que vous retirez comme grande conclusion de votre enquête et puis de ce qu'on a dit ce soir ? Ah, alors par rapport à tout ce que j'ai entendu, mais ça correspond bien à tout ce que j'ai reçu comme témoignage, c'est-à-dire que c'est une grande comédie humaine, en fait. On pourrait dire que c'est un bon reflet de la comédie humaine, sauf que là, on est sous les feux de l'actualité. Mais tout ce qu'on entend de la part des jeunes, des moins jeunes, ceux qui ont connu la célébrité ou ceux qui la connaissent encore, je pense que c'est ce qui peut arriver à tout le monde. On est tous célèbres, on en parlait tout à l'heure avec Simone notamment, c'est qu'on est tous célèbres dans notre quartier, dans notre association, bien entendu. Mais je pense qu'il faut être prêt à être célèbre, tout simplement. Donc les carrières qui se déclenchent du jour au lendemain, ce sont les plus risquées ? On pourra résumer, est-ce que la célébrité fait le bonheur ? Oui, si on est préparé, et si on n'est pas préparé, c'est comme jouer avec le feu, on peut se brûler.
Qu'est-ce qui est le plus important, d'après vos enquêtes, ceux qui ont réussi à garder leur colonne vertébrale et à pouvoir regarder droit devant eux, qu'est-ce qu'ils avaient de différent des autres, leur entourage, leur personnalité? Ils ne voulaient pas être célèbres. C'est-à-dire qu'ils voulaient avant tout exercer un métier. Et ça, c'est le plus important. La célébrité, ça vient après, c'est un moyen. C'est ça. Attendez, mais ne coupez pas la parole, Thierry. Non, mais c'est ça qui compte, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Et je crois que la célébrité, c'est un amplificateur, un facilitateur, ou un accélérateur. C'est-à-dire qu'un facilitateur, ça peut faciliter la vie, bien sûr, parce que la vie est quand même plus facile, c'est quand même mieux que d'aller travailler en usine, je suppose. Avec tous les pièges et les revers de la médaille qu'il voilà, peut y avoir. Voilà, bien entendu, mais comme tout le monde, vous savez, quand on travaille dans une usine 8 heures par jour, c'est pas drôle non plus. Vous êtes obligé de prendre le métro. C'est sûr. Et ensuite, c'est un amplificateur. C'est-à-dire que ça peut être un amplificateur de bonheur ou de misère. Si on est destiné au bonheur, eh bien, on aura encore plus de bonheur. Et si on est destiné à la misère, ben, on aura encore plus de misère. C'est sûr et certain. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est un moyen formidable. C'est-à-dire, je voudrais poser la question à tous les gens qui y sont là. C'est-à-dire que est-ce que ceux qui ont 30 ans, 40 ans en ce moment, s'ils n'avaient pas connu tous ces bienfaits ou ces méfaits de la célébrité, est-ce qu'ils auraient la sagesse aujourd'hui? Est-ce qu'ils pourraient exercer le métier qu'ils exercent? Bah, personne ne peut le dire, parce qu'on ne sait pas comment on aurait fait si on avait fait autrement. Ouais, je sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a des gens qui ont vécu des extrêmes ici, il y a des gens équilibrés. Bah, Véronica, je vois comme Véronica, bien sûr, qui est quelqu'un d'équilibré. Justement, je trouve que... D'après ce qu'on voit, on peut pas savoir. Non, mais je suis équilibrée. Il y a quelque chose qui émane de cette émission, c'est que tous les gens qui sont ici, effectivement, comme il le dit à juste titre, n'ont pas voulu être célèbres. Et les jeunes d'aujourd'hui, avec toutes ces émissions justement de télé-réalité, quand tu leur demandes à l'école ce qu'ils veulent faire, ils veulent être célèbres. Et c'est la grande différence sur ce plateau très éclectique, mais qui est très bien réuni, puisque c'est arrivé, et je trouve ça formidable. C'est une vraie différence, avec, et ça fait peur maintenant, justement. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les jeunes sont devenus des produits marketing. Contrairement, j'étais un grand admirateur de Gérard Blanc et Martin Circus à l'époque, et il lui disait très bien... Là, vous avez gardé les douilles. Et il le disait très bien, c'est-à-dire que c'était l'époque des années 70, où il suffisait d'avoir le talent, d'être bon, de faire son métier, et puis on pouvait le faire. Maintenant, et c'est eux qui étaient au devant de la scène. Maintenant, les gens qui sont au devant de la scène, ce sont les gens qui en tirent un produit. C'est-à-dire qu'on voilà, connaît les produits marketing. Ça, c'est en prenant le risque de généraliser, évidemment. Oui, alors, il y a toujours des exceptions. Et il y a des produits marketing, il y a les yaourts, il y a les robes, etc. Tout ce qu'on connaît. Malheureusement, là, les produits marketing, ce sont des gens. Et vous rendez compte, on a assisté là quand même à des extrêmes. Alors les gens en sont sortis, mais il y a quand même des choses malheureuses. Et je trouve, on en parlait avec Magali aussi tout à l'heure, elle parlait de mode d'emploi. Et c'est vrai qu'on devient célèbre, il n'y a pas de mode d'emploi. Je suppose qu'avec les Miss France et Geneviève de Fontenay, on est un peu plus préparé, un peu mieux préparé. Peut-être, je ne sais pas, Sophie, elle me dira, à la célébrité. En tout cas, on est accompagné au quotidien, ça c'est sûr. Oui, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Madame de Fontenay, mais les hommages du soir. Ce qui est dommage, c'est pour avoir rencontré des présidents de clubs de foot, par exemple, on sait que pour les jeunes footballeurs, on les prend en charge, on leur explique qu'il faut avoir un métier. Il y a Yves Lecoq qui m'expliquait, je lui ai demandé un conseil, il m'a dit surtout, faut dire aux jeunes, il faut avoir un autre métier à côté. Il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut toujours avoir une famille, comme l'a rappelé Stivell, au moins ça l'a rapproché de sa famille. Il faut toujours avoir une assise familiale et culturelle. Et si on n'a pas ça, on est produit et on devient un produit au service des autres. Parce qu'en fait, qui profite de la célébrité, ce sont les autres qui sont autour des gens. Les gens célèbres ne se rendent pas compte, c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils sont célèbres, ils ont des moyens, mais en fait ils ont les moyens de gens qui bossent beaucoup, et quand on bosse beaucoup et qu'on gagne beaucoup d'argent, bon, on a envie de claquer un petit peu de sous, puis après il y a le fisc qui rappelle qu'il y a des règles et c'est beaucoup moins drôle. Mais en fait, il y a toujours, surtout, toute une équipe de gens autour qui ont intérêt à vous promouvoir et à faire de l'argent autour de vous, donc qui vous laissent des tas de facilités. Et tout à l'heure, Dominique Besnard le disait très bien, avant on parlait des stars, maintenant on parle des étoiles filantes. Et les étoiles filantes, c'est ce qu'on voit passer dans le ciel, qui ne reste pas, mais tout le monde fait un vœu devant les étoiles filantes. Aujourd'hui c'est dur, mais avant c'était dur aussi. Il ne faut pas non plus penser qu'avant c'était facile, et après, pour les stars, ça a été difficile aussi. Il y en a qui sont passés à travers des tourbillons, que ce soit dans les années 30, 40 ou 50. Je crois que chaque époque a eu ses difficultés, mais le marketing, c'est quelque chose en tout cas qui est à cette échelle-là quelque chose de nouveau. Je demande à Dominique de venir nous rejoindre pour la conclusion. Merci Thierry. Mon copain Dominique, alors, est-ce qu'il a passé une bonne émission, Dominique? Ouais. T'es intéressé? Ouais, non, ce qui ressort de cette soirée, c'est que je trouvais que, bon, on n'a pas trop parlé des artistes, à part Gérard.
On a parlé de produits ou de gens qui se sont retrouvés dans des situations à faire des castings et tout d'un coup, ils sont devenus, sont rentrés dans le sitcom ou dans les boys bands. C'était pas pour des raisons de talent, souvent, c'était pour des raisons parce qu'ils avaient... Je parle pas de monsieur qui, lui, était un artiste. C'est des gens qui se sont retrouvés comme ça dans... dans une machine, de, soit le sitcom, soit le, la musique. Mais au départ, il n'y a pas... Il n'y a pas un désir profond. Il n'y a pas un désir de profond, il n'y a pas de vocation. Mm. Quand même, le mot, c'est vocation, talent, artiste. Voilà. Et là, à part monsieur qui était... mais je ne fais pas de chansonnier, qu'on était venu chercher, sa vie est partie dans un autre... du reste, il a souffert, et je pense... Les autres invités, tu as l'impression que ça leur est tombé dessus? Non, mais voilà. Ça, et donc, alors, il y a les dérives, il y a les blessures, il y a... Et on les voit... du reste, c'était formidable, parce qu'au début de soirée, c'était... ils savaient pas trop ce qui leur était tombé dans le truc, en parlant de l'aîné des garçons. Puis après, plus on allait dans la soirée, plus ça devenait un peu dramatique. On a commencé à parler de la drogue, de la tristesse. Et il y a les deux, donc, il y a les deux dans cette soirée. Et il y a les dérives. Alors là, c'était plus... C'est bien, parce que comme c'est le cours de l'émission, au départ, c'était plus gai, et à la fin, on sentait quelque chose de triste. Et parce qu'il y a les blessures, il y a vos parcours, il y a toute cette machine que je connais, et moi, je pense que les gens qui durent... la chose positive, c'est quand je revois... c'est Patrick. Et je me dis, mais lui, il a été une vedette populaire... Voilà. Et puis, si quelqu'un avait l'œil de le voir ce soir, moi, je trouve qu'il pourrait très bien redémarrer en me disant, tiens, il peut très bien faire de la télévision avec un... Non, mais je sais pas de ta vie, mais il y a un truc qui passe. T'as mûri, il y a tout ton vécu, il y a toutes ces années de retraite. Et je me dis, mais ces gens-là, il y a de l'espoir maintenant. Maintenant, c'est aussi aux gens qui décident de se dire, mais il y a une seconde chance. Un peu d'imagination. Moi, je pense toujours, je dis que la seconde chance c'est plus importante que la première chance. Ouais. La première chance, moi, j'ai connu beaucoup de jeunes acteurs qui ont eu un premier puis c'est de durer. C'est de durer et de durer. Je crois que faut que ce soit les gens qui aillent vers vous. Bon, mademoiselle, que je me dis, elle est pétillante, elle peut tourner. Elle va faire un film, je suis sûr, un jour. Donc, c'était à la fois positif. Là où je suis plus inquiet, c'est pour, quand on part dans le mysticisme et dans le dire je suis en méditation, ça me fait un peu peur. Bon, c'est Mallory, ça. La Mallory, elle genre, on la connaît, c'est Steven. Non, Mallory, c'est une féline. Elle retombe toujours sur ses jambes. Mais le garçon qui est parti en Angleterre... Steven. Et lui, c'est là où je me dis, je porte pas de jugement, je suis pas un psy. Non, qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience maintenant? Il faut que, voilà, il faut pas qu'il reste sur la méditation. Je vous en prie. Effectivement, ça pose un problème. J'ai rencontré Robert Hossein il y a quelques semaines, qui me propose un rôle dans son prochain spectacle Ben Hur au Stade de France. Donc il y a un rebondissement, il y a des rencontres. Je suis à Paris, je suis dans le monde, je suis auprès des autres, des miens. Tourné vers la vie, quoi. Bah, complètement. Et puis des plus pauvres, et puis des plus malheureux que moi, etc. Je veux dire autre chose, c'est que quand je me dis, avant de venir, j'espère que ça ne va pas être trop triste, parce que c'est vrai que quand les gens ont eu cette période. Et moi, je trouve que pas du tout. Je trouve qu'il y a eu un truc, je trouve, il y a une énergie chez moi. Moi, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Je suis pas inquiet. Mais j'ai senti que, voilà, si les gens regardent, si les diffuseurs regardent, Patrick, il peut retravailler demain, elle peut travailler. Sheila, elle peut faire un film. Je sens qu'il y a de la passion. Il n'y avait pas de vocation. Ils ont été dans un milieu, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont été des produits, des instruments. On a fait de la pub sur eux, on a gagné beaucoup d'argent sur eux. Il y a des choses qui m'ont fait frémir en disant on a gagné beaucoup d'argent. Moi, je connaissais les salaires des jeunes. C'était Au moment où ça tombe, c'est beaucoup d'argent de poche. C'est plus que de l'argent de poche, mais ce n'est pas non plus. Ou alors, franchement, j'ai été mal informé. Et en plus, moi, je suis l'agent de Sophie Marceau. C'est lui qui négocie. Elle a beaucoup gagné d'argent. Et chez là-bas. Alors, à un moment, il faut remettre ça dans.
Mais je me dis, voilà, il faut que les gens, ils ont une histoire avec le public, maintenant il faut leur donner une seconde chance. Qui est plus importante que la première, c'est une belle phrase ça Dominique. Merci beaucoup, avant de conclure cette émission, quelques mots, deux secondes, sur l'opération Sidaction qui se déroule ce week-end. Donc du 31 mars jusqu'au 2 avril, les chaînes se mobilisent tout ensemble, et c'est bien côté de l'association Sidaction. C'est un travail qui permet évidemment d'aider ceux qui sont malades, et puis d'aider aussi la recherche à faire des progrès, vous le savez. Donc pour faire vos promesses de dons, je vous le dis, appelez le 110, c'est un numéro gratuit, ou alors vous allez sur le site www.sidaction.org. Et puis rendez-vous également samedi soir sur France 2 avec le Symphonic Show présenté par Lynn Renaud. Merci à tous nos invités d'avoir parlé sans tabou ni langue de bois. Bonne chance à tous, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Ça fait plaisir de vous voir. Et la deuxième chance est plus importante que la première. C'est la plus belle phrase de cette soirée. Merci et à mercredi prochain. Bonsoir. Faut-il attendre pour s'engager ou faut-il s'engager sans attendre? C'est le thème d'un prochain Ça se discute. En couple depuis peu, vous pensez déjà à vous engager, vivre sous le même toit, mariage, enfant. En amour, vous vous engagez toujours très vite, votre conjoint refuse de s'engager. En couple depuis longtemps, vous hésitez à vous engager. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.